Des outils nouveaux pour affiner cette personnalisation, c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Est-ce un espoir? Est-ce une réalité? Cette réalité est-elle acceptable? Quels sont les événements ou les évolutions futures qui peuvent en découler? Cela va être le thème de nos discussions aujourd'hui, pour laquelle nous avons appelé à participer un certain nombre d'orateurs que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur apparition sur scène, comme tout bon régisseur, je pense. Et dans un premier temps, nous allons donner la parole à Grégory Dubourg, qui est un ingénieur agro, qui s'est spécialisé dans le conseil et qui dirige une entreprise, je ne veux pas dire une boîte, hein, une entreprise qu'il a créée aux alentours de 2009, si je ne m'abuse, et qui est spécialisée dans le conseil et qui a mené, au cours de ces dernières années, une réflexion approfondie sur la nature des outils qu'on peut utiliser pour aider, si possible, au conseil et à l'aide personnalisée de l'alimentation. Grégory Dubourg, je vous donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer physiquement ou à distance à cette conférence. Donc effectivement, moi je vais vous donner un panorama global des outils et des innovations numériques essentiellement, hein, qui permettent d'accéder ou de rendre le concept de nutrition personnalisée possible, et on verra jusqu'où peut aller la personnalisation aujourd'hui dans les produits, dans les services qui existent ou qui sont en cours de développement pour des sorties à court terme. Très rapidement, pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse particulièrement à ce sujet-là chez Nutrikeo, c'est parce qu'en fait, chez Nutrikeo, on est vraiment très intéressé et hyper spécialisé sur la thématique de la nutrition, comme notre nom l'indique, et on a développé donc un certain nombre d'expertises autour des études, de la veille, de l'innovation et aussi de la communication et de l'éducation nutritionnelle pour à peu près tous les acteurs de la filière nutrition, donc qui balayent de l'agroalimentaire jusqu'à l'industrie pharmaceutique, en passant par les ingrédients, les compléments alimentaires, etc. Et également en particulier la food tech, donc cet univers à la croisée de l'alimentaire et des technologies digitales. Donc c'est ce qui nous a amené à développer une connaissance assez approfondie et une grosse curiosité sur ce secteur de l'alimentation personnalisée et également des outils digitaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc la nutrition personnalisée d'hier à aujourd'hui, c'est véritablement une mutation qui est liée à l'avancée des recherches à la fois scientifiques et technologiques. Je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins de la science et des technologies digitales, et c'est ce qui fait que cette thématique, elle est vraiment dans le cœur de l'actualité. On va parler en fait de nutrition et d'alimentation personnalisée dès qu'on aura affaire à des produits ou à des services qui vont permettre de dédier à une population donnée un produit ou un conseil qui va lui être vraiment propre. Donc effectivement, comme c'était évoqué en introduction, c'est pas un concept nouveau. Le concept de personnalisation, il est intéressant, il est recherché par de nombreux consommateurs aujourd'hui. De la personnalisation très simple sur des produits alimentaires de base, hein, comme des boissons, comme des bars. Donc là, on parle de customisation de masse. Ça concerne beaucoup de monde, jusqu'à de la personnalisation de plus en plus spécifique sur des aliments, sur des compléments alimentaires, ou également des services qui vont donner, par exemple, des menus personnalisés et qui vont s'adapter véritablement aux particularités intrinsèques de l'individu. Donc, pour vous présenter un peu la profondeur de niveau de personnalisation qui existe aujourd'hui, on a fait l'effort de le découper en fait en 5 niveaux de personnalisation qui, à mon sens, constituent véritablement les 5 grades de personnalisation qu'on peut apporter aujourd'hui sur des services ou des produits. Et ces 5 niveaux sont
indépendant ou bien cumulable. Donc c'est ça qui permet aussi de générer de l'innovation. Le premier niveau, qui est le plus basique et qui est le plus ancien également, c'est de s'adresser à une population cible. Donc on va s'adresser à des diabétiques, on va s'adresser à des allergiques aux protéines de lait de vache, aux seniors, aux bébés, avec l'univers du baby food. Donc ça, c'est vraiment des catégories de produits qui existent depuis longtemps, mais c'est déjà une première forme de personnalisation. Le deuxième niveau, qui est un peu plus poussé, lui va se baser sur l'état physiologique d'un individu à un moment particulier. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs niveaux différents au cours d'une même journée ou au cours d'une même année, parce qu'on va préparer une épreuve sportive, parce qu'on va être dans une période d'examen lorsque l'on est étudiant, parce que l'on va être enceinte si l'on est une femme, etc. Donc ça, c'est un autre niveau de personnalisation qui existe et qui se développe également fortement à travers des catégories de produits telles que la nutrition sportive, les produits pour les femmes enceintes, etc. Là, ce qui va nous intéresser vraiment le plus aujourd'hui et sur lequel je voudrais m'attarder parce que c'est là où il y a le plus d'innovation, mais également le plus de barrières technologiques à lever aujourd'hui. Donc c'est le troisième niveau tout d'abord, qui est ce niveau où on va collecter de la data personnelle sur les individus, qui a un niveau très très important parce que c'est à partir de la qualité de ces data collectées qu'on va pouvoir véritablement personnaliser un diagnostic. Donc ça, c'est une étape qui est clé et sur laquelle très clairement on a fait énormément de progrès ces dernières années grâce à la technologie et grâce à des technologies qui deviennent de plus en plus grand public et démocratisées. Le quatrième niveau qui va de pair, c'est l'analyse de ces données. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les collecte, il faut être capable de les traiter de façon intelligente. Donc là, on va parler d'algorithmes, on va parler d'intelligence artificielle. Donc on a tous ces technos très récentes qui rentrent en ligne de compte. Et enfin, le dernier niveau de personnalisation, mais qui n'est pas le moindre, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je pense que le marché aujourd'hui peine à se développer plus, c'est parce que ce niveau est celui sur lequel on a le plus de barrières technologiques aujourd'hui, c'est le véritablement comment je fais, une fois que j'ai défini qu'est-ce qu'il fallait mettre dans mon produit, comment je fais pour le fabriquer et pour le délivrer à un individu de façon vraiment unique et personnelle. Donc c'est comment je fais pour passer d'un système alimentaire qui est plutôt conçu pour délivrer le même produit à des masses, comment je fais pour délivrer un produit unique à un individu unique de façon très très précise. Donc c'est très clairement ce niveau de production sur lequel il y a des gros enjeux dans le futur. Donc une fois qu'on a parlé de ces 5 niveaux de personnalisation, je vais vous faire un focus sur 4 tendances qui permettent de répondre en partie ou complètement à ces degrés de personnalisation, et notamment aux 3 derniers sur lesquels il y a aujourd'hui le plus d'innovation. Donc le premier, ça va être la tendance qui est liée aux objets connectés et à tous les services de coaching nutritionnel. La deuxième, ça va être la tendance liée à la nutrigénomique. La troisième, le microbiote et les microbiotes en général. Et la quatrième, l'imprimante 3D. Donc si je commence par le premier, donc là je vais véritablement vous donner un panorama de l'existant. Lorsque l'on veut parler donc de délivrer un conseil personnalisé, ça peut commencer par planifier une alimentation adaptée. Donc là on n'est pas forcément dans le produit, on peut aussi être dans le service qui va autour. Donc vous avez l'exemple de cette start-up américaine Eat This Much qui a développé un meal planner, comme on dit en anglais, donc un planificateur de menus, pardon. Et donc qui va être capable de vous délivrer des menus personnalisés en fonction de vos contraintes alimentaires, qu'elles soient allergiques, qu'elles soient préférences type végétarien, vegan, méditerranéen, le nombre de calories recherchées, etc. Donc là, il y a énormément de sociétés aujourd'hui dans le monde qui sont positionnées sur ce marché-là, avec des produits ou des services qui sont plus ou moins avancés, mais en tout cas, c'est vraiment dans l'air du temps. Ensuite, on a IBM qui a développé un peu cette approche de personnalisation des menus et des recettes à travers son chef Watson. Donc, c'est vraiment une base de données très, très complète avec des milliers d'aliments qui est capable là aussi de faire des associations et de faire de la personnalisation de recettes en fonction de vos préférences. Et si après on va sur le produit, on a cette start-up allemande qui s'appelle Dear Muesli, qui fait de la personnalisation du produit, en l'occurrence des céréales pour le petit déjeuner, en fonction là aussi d'un certain nombre de profilages et de questions. Autre angle pour apporter de l'accompagnement en termes d'alimentation, c'est de traquer les aliments qu'on va consommer ou de traquer sa condition physique, parce que l'item exercice
physique est souvent très associée. Donc là, j'ai plusieurs exemples pour illustrer cela. Un premier exemple qui est un tracker de FODMAPS, donc avec un système de capteurs dans lequel on va respirer, dans lequel on va souffler, et qui est capable d'identifier des métabolites de la digestion des FODMAPS. Donc pour les gens qui sont sensibles à ces FODMAPS et chez qui ça engendre des problèmes digestifs, ça peut être intéressant de suivre cela. Ensuite, on a d'autres trackers, et il en existe là aussi d'ores et déjà des dizaines, plus ou moins performants, mais en tout cas qui sont déjà commercialisés. Celui-ci, c'est le GoBe2 de Hillbee, qui est un tracker à la fois de l'hydratation et des calories consommées, qui est basé sur un principe de mesure à travers ce bracelet de glucose intracellulaire. Donc c'est des technologies qui commencent à être embarquées sur ce type d'accessoires connectés. Et on a ensuite toute la tendance des analyseurs, des scanners miniaturisés. Donc on a miniaturisé finalement pour le grand public des technologies qui sont utilisées dans les laboratoires, des technologies de spectroscopie, des technologies d'infrarouge, etc. Et celui-ci en l'occurrence, le NIMA, il va être capable de détecter la présence de gluten dans les aliments, donc il va être intéressant pour personnaliser une approche sur un consommateur qui va être sensible au gluten. Également, si on va voir du côté des compléments alimentaires, on peut voir des objets connectés qui vont favoriser ce qu'on appelle l'observance du suivi de ce type de cure. Donc là, en l'occurrence, on a un packaging connecté qui est connecté à une application qui vous permet de vous rappeler la bonne utilisation et le bon suivi d'une cure de compléments alimentaires. Et puis là, on a un concept similaire qui va se greffer sur un pilulier ou sur un packaging de compléments alimentaires. Deuxième tendance, donc la nutrigénomique, qui elle aussi est une tendance scientifique, mais qui a un impact réel dans la recherche de personnalisation dans l'alimentation, puisque cette technologie, elle est de plus en plus utilisée pour personnaliser donc un produit alimentaire ou un régime alimentaire en fonction de votre profil génétique, donc basé sur une collecte et une analyse, un séquençage de votre ADN. Donc là, on descend évidemment sur un niveau de personnalisation qui est très très puissant, puisque pour le coup, l'ADN, c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à chacun. C'est une discipline qui est encore naissante, mais qui est véritablement en train de bouleverser un certain nombre de produits alimentaires. Donc là, vous avez quatre exemples. Le premier que j'aime beaucoup, parce qu'il est assez abouti dans son approche à la fois de diagnostic, puisque à partir à la fois d'une analyse de salive pour pouvoir collecter votre ADN et analyser cet ADN, mais également une analyse de sang dans laquelle on va suivre jusqu'à 60 biomarqueurs. Donc c'est une analyse qui est quand même assez poussée. Habit, donc cette société va être capable de faire ce diagnostic, mais également de produire et de fabriquer des plats cuisinés vraiment personnalisés en fonction de votre profil génétique et de vos profils de marqueurs sanguins. Donc ça, c'est typiquement une société qui est assez récente, qui a moins de 2 ans aux États-Unis et qui a d'ores et déjà été rachetée par l'industrie à l'agroalimentaire Campbell. Donc là aussi, il y a des gros enjeux pour les industriels aujourd'hui qui s'intéressent bien évidemment énormément à ces startups qui développent des nouveaux services. On a le service Newtopia qui fait également du séquençage génétique avec délivrance de conseils et de coaching derrière, mais qui lui a un business model qui est tourné plutôt sur le monde de l'entreprise, permettant aux entreprises de mettre à disposition de leurs employés ce type de service. On a DNAFIT qui fait également du séquençage et des conseils personnalisés, et DNA Nudge qui est aussi dans cette idée de collecte de l'ADN et de délivrance de conseils personnalisés. Donc là, ce ne sont que quelques exemples, mais il y en a de nombreux autres. Et la bonne dose de micronutriments directement à domicile. Là, ce sont d'autres exemples de personnalisation, donc plutôt sous une forme de complément alimentaire, mais qui sont également intéressants. Là, par exemple, on peut citer donc DSM, qui est un fabricant d'ingrédients, qui s'est associé donc avec cette start-up, la GoMixFit, qui a développé en fait un robot domestique, un robot ménager, qui, à partir d'un certain nombre de données collectées, notamment à travers cette montre,
va être capable de proposer, de fabriquer à la maison, chez soi, des boissons nutritionnelles personnalisées. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Là, on a également Tespo qui fait à peu près la même chose, mais avec un système de capsules, là aussi, qui vont mélanger un certain nombre de micronutriments en fonction de votre profilage. Et là, Baze, lui, fait carrément une analyse d'une goutte de sang à travers ce petit détecteur qui ressemble au capteur qu'utilisent notamment les diabétiques pour suivre leur glycémie. Troisième tendance donc de la nutrition personnalisée, il y a énormément de choses prometteuses du côté du microbiome. Donc on parle de plus en plus du microbiome. C'est vrai que c'est un domaine de recherche qui est très très vaste et qui commence à avoir des applications dans l'univers du grand public. Donc ce sera intéressant d'avoir après l'avis d'autres experts sur le sujet, puisque ça va être une des thématiques abordées, de voir quelle est la solidité aujourd'hui de ces approches et de voir à quel point ces systèmes de diagnostic sont fiables. Mais là vous avez trois exemples. Je peux parler de ces deux-là, donc Microbiome, qui est une start-up américaine qui véritablement propose un diagnostic donc pour le grand public de votre microbiote, donc un profilage de la composition de votre microbiote intestinal. MapMyGut fait à peu près la même chose en délivrant en plus un conseil personnalisé en fonction des typologies de bactéries que vous allez posséder. Et Day2 va encore plus loin, puisque au-delà du diagnostic de l'analyse de votre microbiote, il propose également des diètes et des menus personnalisés en fonction donc de votre capacité à digérer plus ou moins bien tel ou tel aliment et aux interactions qui peuvent avoir lieu entre ces aliments et votre microbiote. Donc on voit que ça va déjà assez loin, à la fois dans la collecte et l'analyse des data, mais également dans la capacité de proposer un produit personnalisé. La quatrième et dernière tendance va concerner donc le cinquième niveau de personnalisation que j'évoquais tout à l'heure, qui est comment fait-on pour produire, une fois qu'on sait quel est le produit idéal pour l'individu à un instant donné, comment on fait pour le produire et comment on fait pour lui livrer ce produit. Et donc moi, je crois beaucoup dans la technologie de l'impression 3D alimentaire, parce qu'aujourd'hui, l'industrie alimentaire, elle n'est pas dimensionnée pour fabriquer des micro-séries de produits aussi fines. Hein. Si vraiment on veut faire de la personnalisation, il faut pratiquement produire un produit par individu, donc c'est très compliqué. Et il se trouve que l'impression 3D, qui fait d'énormes progrès et qui commence, elle aussi, à se démocratiser et à sortir des laboratoires pour arriver dans les cuisines du grand public, elle pourrait être une des solutions, parce que c'est une possibilité pour assembler des ingrédients, des nutriments ensemble de façon très pointue, quasi chirurgicale et en petite quantité et à la demande surtout. Donc là, vous avez deux exemples de technologies pour illustrer cela. Donc la première société, c'est Multiply Labs, donc qui est une société qui, elle, est positionnée sur le marché des compléments alimentaires, mais on peut imaginer demain de transférer ces technologies plutôt dans le monde de l'aliment, qui a développé en fait des gélules imprimées en 3D, donc sur la base de tout un dispositif de collecte de données et d'analyse de ces données en amont, une capacité à fabriquer un complément alimentaire qui va véritablement cibler de façon individuelle les carences éventuelles en différents nutriments de l'individu. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre exemple qui me semble intéressant également, qui est pour l'instant à l'état plutôt de R&D, de recherche, c'est un programme qui s'appelle Performance et qui travaille justement sur l'impression 3D d'aliments texturés, en l'occurrence plutôt dédié à la cible des seniors. Mais demain, on peut imaginer que cette technologie servira à fabriquer chez soi ses propres aliments, avec plus ou moins, on va dire, de forme, de texture et de côté organoleptique. Mais en tout cas, là aussi, en intégrant les ingrédients, les nutriments qui correspondront exactement à votre statut nutritionnel du moment. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a également une autre société que j'aurais pu montrer là, qui est une société espagnole qui s'appelle Foodini, qui, elle, a développé aussi un concept de petite imprimante 3D qui est d'ores et déjà commercialisée pour le grand public. Ça coûte quelques centaines d'euros. Cette machine a la capacité d'imprimer en trois dimensions donc de l'aliment, donc en gros d'agréger des ingrédients alimentaires, des espaces de pâte texturées qui permettent d'aboutir à un aliment. Alors c'est vrai que c'est pas un vrai aliment dans le sens où c'est un aliment reconstitué, mais si véritablement on veut faire de l'aliment personnalisé demain, c'est une voie qui se présente là.
Donc en conclusion et en ouverture par rapport à tout ce que je vous ai montré là, donc pour demain, quelles opportunités? On a fait l'exercice de se projeter dans des concepts de produits ou de services qu'on pourrait imaginer accessibles demain en s'appuyant sur toutes ces nouvelles technologies. Donc le premier, c'est d'appliquer la technologie de réalité augmentée à l'univers de la restauration, donc avec une capacité à voir sur une tablette ou sur un smartphone, lorsque l'on regarde un menu dans un restaurant, bah, d'avoir un espèce de filtre de personnalisation qui vient s'appliquer dessus en ne sélectionnant que les plats qui correspondent à vos besoins, à vos allergies, à vos préférences alimentaires. Donc ça, ce serait une forme de personnalisation finalement assez simple qu'on peut mettre en œuvre demain puisque les technologies existent, mais ça permet de sortir aussi de chez soi et de réfléchir sur l'évolution de la restauration. On pourrait également réfléchir pour surfer sur la tendance du portage à domicile et de la livraison de kits d'aliments à cuisiner, en l'occurrence pour la cible des seniors. On pourrait réfléchir à une personnalisation de ces kits, notamment en adaptant le type d'ingrédients ou d'aliments qui seront compris dans ces box à la problématique nutritionnelle de ces grands seniors. On pourrait également réfléchir à la nutrition donc de la femme enceinte, par exemple en se basant sur une analyse là aussi génétique, donc avec pour objectif d'optimiser le statut nutritionnel de la femme enceinte, mais également de son bébé. Et on pourrait également réfléchir, parce que c'est des sujets qui sont d'ores et déjà travaillés, notamment par des startups en Israël, des gélules intelligentes qui seraient capables de faire de l'analyse du microbiote en live, en direct. Donc là, on serait un degré de personnalisation sur la thématique du microbiome encore plus poussé. Là aussi, connecté avec les applications, les systèmes d'analyse de tout cela qui permettent d'adapter le conseil en direct lui aussi. Voilà, donc en conclusion, ce qui est très intéressant, c'est que on est vraiment à la croisée de deux gros flux qui sont d'un côté toutes les nouvelles technologies et la recherche scientifique qui progressent vraiment à vitesse grand V sur ces thématiques du digital, bien sûr, qui s'infiltre de plus en plus dans nos vies, du décryptage de l'ADN et du microbiote, mais également de la recherche en sciences de la nutrition de façon fondamentale. Mais également, en face de cela, on a aussi un consommateur qui évolue énormément, qui est de plus en plus en quête de cette idée de personnalisation, de cette idée d'unicité, de ce besoin de comprendre aussi son alimentation et d'avoir une alimentation responsable. Donc vraiment, à la croisée de ces deux flux, on peut vraiment imaginer que demain, l'alimentation personnalisée sera une source d'innovation et de disruption, comme on dit, assez majeure pour proposer une offre alimentaire toujours plus ciblée à l'ensemble du grand public. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc ça, c'est typiquement des thématiques qu'on a creusées dans notre dernier carnet de tendances. Là, vous pouvez le voir, la personnalisation, c'est un sujet qui est très très important pour nous en termes de veille. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour cet exposé en un peu prométhéen, en espérant qu'à force de vouloir monter vers le soleil, les ailes ne fondent pas et que tout retombe. Mais voilà une belle perspective. Déjà un petit début de réalité, beaucoup d'espoir, des projections sur le futur. Bon, les outils existent. Les méthodes pour s'en servir aussi. Mais ça dépend aussi de ce qu'on a mis dans la machine, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un algorithme, encore faut-il qu'il soit le bon, et qu'il corresponde à une analyse objective et précise. Alors, à la suite de... Nous avons décidé de ne pas mettre les questions après chaque orateur, mais de renvoyer tout ça à la fin. Donc après le discours qui mêle technologie et science, on va voir comment le scientifique
en la personne du professeur Karine Clément, qui est professeur de nutrition à Pitié-Salpêtrière et qui est très connu dans le monde scientifique français et international pour ses travaux sur la génétique, notamment en matière d'obésité, mais pas seulement, sur l'analyse de la génomique et sur l'analyse du microbiote, dont beaucoup de publications ont montré qu'il s'agissait là effectivement de quelque chose d'important, mais que peut-être il serait prudent de relativiser un peu ce qu'il peut nous fournir comme base sur lequel développer ces technologies. Karine, vas-y. Merci beaucoup Bernard, merci pour cette invitation donc, qui donne l'occasion effectivement de parler de ce sujet qui est important, qui est en train d'exploser dans le domaine scientifique et vous l'avez vu donc, également dans le domaine industriel. Donc l'enjeu, est, c'est à la fois le regard des sciences biologiques et également bien sûr médicales en fait, associées à ça. Et je vais essayer de prendre vraiment des éléments assez concrets et de discuter avec vous, ce sera peut-être abordé par les discussions après, certaines limites. Vous allez voir, je vais prendre un certain nombre d'exemples qui sont assez connus. Alors en fait, on a affaire à des enjeux qui sont des enjeux de complexité et d'hétérogénéité. Donc on parle de population. Mais dans ces populations, il y a aussi des patients. Il y a des personnes diabétiques, il y a des personnes obèses, des personnes avec certaines pathologies. En fait, et compte tenu de la fréquence, on peut se demander finalement qu'est-ce qu'une population dite normale. Enfin, finalement, la normalité n'existe pas vraiment. Et en fait, on a affaire à des enjeux de complexité sur l'exposition auxquels on est tous soumis, donc l'exposition alimentaire, les polluants, les enjeux liés à la sédentarité, l'activité physique, et j'en passe. Ensuite, on a notre biologie, notre génome, et puis plus récemment, on sait que voilà, si vous vous sentez un peu seul, vous n'êtes pas seul, nous sommes accompagnés par les bactéries, et on sait qu'il y a de l'interaction entre cet environnement microbien et notre propre biologie. Donc en fait, déjà, d'un point de vue scientifique, on a un petit souci parce qu'on a des enjeux de dimension. Donc le métagénome, plus on séquence des génomes, plus on trouve des gènes. Donc par exemple, c'est 10 millions de gènes. Notre génome, on a revu à la baisse le nombre de gènes, hein, c'est 23 000 gènes. Puis on a un vrai problème quand on parle de l'exposome. Puisqu'en fait, moi personnellement, peut-être vous le savez, mais la dimension, je ne la connais pas. Donc en fait, quand on essaie d'intégrer toutes ces dimensions, et en fait, quand on parle d'algorithme, on se dit, mais finalement, là, on voit bien quels sont les enjeux. Et en particulier, les enjeux d'intégration de l'information. Quel type de l'information? Comment est-elle recueillie? Comment on les interne? Quels sont les aspects pertinents, les algorithmes pertinents qui permettent finalement ce qu'on veut? C'est mieux caractériser les sujets, puisqu'on sait que par nature, il y a une hétérogénéité. Donc, effectivement, il y a eu des développements extrêmement importants dans le domaine du microbiote. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on séquence les gènes microbiens pour identifier les espèces, mais en fait, on sait aussi que la séquence n'est qu'une partie de l'iceberg et qu'il y a des enjeux de fonction, en fait, des bactéries qui ne sont pas totalement évalués lorsqu'on fait une séquence uniquement. Donc, différentes situations, différentes populations, différentes maladies liées à la nutrition, des trajectoires différentes, voilà, variabilité, variabilité, variabilité. Alors effectivement, dans le topo précédent, on a parlé de l'assiette de la nutrition de précision, et donc les éléments ont été bien repris, et donc les aspects liés à l'alimentation, les aspects liés à l'activité physique et bien d'autres. Donc la première chose, c'est qu'il y a un enjeu de recueil. C'est-à-dire que vous savez que tous ces sujets, pour recueillir les données environnementales, en fait, à chaque fois, c'est des sujets de recherche. Comment on recueille de façon pertinente les aspects liés à l'alimentation? Comment on recueille les aspects liés à l'activité physique? Il y a aujourd'hui des consortiums européens entiers qui se posent cette question de l'enjeu du recueil et quelles sont les mesures pertinentes. Donc ça, c'est la première chose. Chaque item est un sujet de recherche en tant que tel. Donc, je ne vous parle même pas, en fait, des aspects qui sont liés au MIC, donc dont on peut décliner la nutrigenomique, les études du microbiote et la métabolomique, ou de la même façon, avec des enjeux différents, il y a également des enjeux de recueil. Alors si on prend l'exemple des leçons des études génétiques, donc effectivement, finalement, début des années 90,
séquençage du génome humain, on s'est dit, on va identifier, grâce au screening du génome, les gènes impliqués dans les maladies courantes. Et donc, c'est un moyen d'aborder la complexité. Et puis, donc, il y a eu effectivement ces larges consortiums, dont un exemple ici, Giant, où il s'agissait de trouver les gènes associés au développement du surpoids et de l'obésité. Ça, c'était aidé aussi par le fait que, quand on fait le séquençage, il y avait des coûts au départ très importants qui ont chuté. En fait, aujourd'hui, pour 100 euros, vous pouvez avoir votre génome, votre propre génome étudié. J'y reviendrai. Finalement, quelles sont les leçons en fait, de ça? D'une part, nombreux variants associés à des mesures de corpulence. Donc, en fait, il y a eu des vagues d'analyse de séquences, peu importe les données et les gènes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce numéro 1, là, par exemple, qui s'appelle ce gène, qui s'appelle FTO, ça a été un des gènes, dans les larges les populations, les plus confirmés en termes d'association avec l'obésité. Donc, à partir de ces polymorphismes, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens ont essayé de faire des scores. Donc, par exemple, si on prend l'obésité, mais encore une fois, je prends cet exemple-là parce que ça nous concerne plus particulièrement sur notre activité quotidienne, mais vous prenez diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, les maladies courantes, on retrouve la même chose. Donc, score génétique, on combine, en fait, ces polymorphismes. Donc, c'est bien ce qui est réalisé, en fait, dans ces tests, dans ces tests génétiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été identifié chez des très larges populations, parce que, de façon générale, les effets sont faibles, avec des phénotypes assez mous, si je puis dire. Je vais prendre cet exemple très concret. Vous reconnaissez cet homme? C'est le même homme, à plus de 30 ans d'intervalle, probablement le même index de masse corporelle. Or, c'est ce critère qui est utilisé dans ces larges études, parce que quand vous avez des centaines de milliers de personnes, il faut des critères de mesure simples. Alors, ces critères de mesure se développent, il y en a de plus en plus, mais au départ, les données qui viennent, qui sont issues de ces analyses, c'est bien ça. Alors, si on prend notre fameux gène FTO, Fat Mass and Obesity Associated, désolé pour l'anglais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 16%, c'est pas nul, des personnes avec deux copies de l'allèle à risque ont une unité d'index de masse corporelle en plus que l'allèle protecteur. Ça confère un facteur de risque. Mais il faut des centaines de milliers de personnes pour l'identifier. Donc la question, c'est le retour à l'individu. L'autre point, c'est le score génétique. Si on regarde cet allèle à risque, vous avez ici l'augmentation prédite de l'augmentation de l'index de masse corporelle donc par ces polymorphismes. Donc, et par-dessus, on rajoute l'interaction avec l'environnement. Effectivement, on peut voir que quand on est porteur, là, il y a vraiment des données énormes de la littérature qui montrent que vous faites de l'activité physique, mais vous avez l'allèle à risque de FTO, vous n'allez pas avoir peut-être cette petite augmentation. Encore une fois, il faut comme les effets sont faibles, combinaison fonfaine, il faut des centaines de milliers de personnes pour y détecter ces effets. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne? Et je crois qu'on ne peut pas mieux citer cet exemple qui est Gattaca. Alors, qui a vu Gattaca? Bon, c'est un film qui a 20 ans, j'espère qu'on n'aura pas de problème avec l'association du cinéma. Je n'ai pas d'action dans Gattaca. Gattaca, qu'est-ce que vous dit Gattaca? Gattaca vous dit que d'abord, on peut manipuler le génome des enfants, mais passons là-dessus. En fait, ce qui vous dit, si vous regardez rien que le début du film, ça va vous prédire, la mère est en train d'accoucher, et on prédit les risques de son enfant par une petite prise de sang. Ce que vous dit, bienvenue à Gattaca, et c'est ce que le metteur en scène a compris, c'est que finalement, oui, on peut prédire ces risques. Mais ce que vous dit aussi ce film, c'est malgré une génétique défavorable, on peut essayer de se débrouiller avec l'environnement pour aboutir à son rêve. Et donc, mais il faut être extrêmement prudent, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a des données qui viennent de larges populations, et aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas en tant que clinicienne, je ne prédirai pas en fait, aujourd'hui un test génétique, parce que je sais que le retour à l'individu n'est pas évident. Ça ne veut pas dire que demain, on ne le fera pas. Ça veut dire que je serai très très prudent à fournir des informations. On peut également illustrer cette question sur, là aussi, qui a pas mal défrayé la chronique, c'est 23andMe. Donc en gros, 23andMe, il y a 15 ans, vous envoyez votre ADN, $800, $1000, et on vous donne votre génome. Donc ça entraîne, aujourd'hui, vous envoyez $100, et on vous dit, on vous screen, et on va vous dire, vous êtes de telle et telle origine, vous êtes tel et tel ancêtre, etc. Quelles sont les leçons à tirer de 23andMe? La FDA a dit en 2013, faites gaffe parce que en fait, vous ne pouvez pas rendre un diagnostic. Les données sont... c'est difficile de rendre un diagnostic individuel.
Et regardez ce qu'a produit cette annonce sur le modèle économique et la montée en puissance de cette entreprise. En fait, ça l'a augmenté. Donc je trouve que c'est un modèle extrêmement intéressant. Je ne juge pas cet aspect-là. Je constate ces faits, c'est que c'est un modèle intéressant. Et en fait, voilà, le modèle de 23andMe, c'était collecter des données. Et aujourd'hui, 23andMe, là, j'ai regardé récemment, et en fait, il y a un papier dans un journal de très haut niveau où ils sont copubliqués, enfin, ils publient, en fait, des données sur le génome. Donc en fait, ils ont accumulé un certain nombre de données. Ça fait partie du modèle économique. Alors, modèle entre guillemets ancien, facteurs environnementaux, phénotypes, génome, nouveau monde, le microbiote qui vient comme un élément supplémentaire en fait dans l'interaction de ces données. Alors comme souvent dans ces affaires-là, on va souvent un peu plus vite que la musique, donc on est déjà dans la translation des données vers la personne. Donc voilà, donc vous pouvez envoyer votre prélèvement à American Gut. Alors donc ça, c'est une association académique. Vous envoyez, on vous explique comment faire le prélèvement, on voit par la poste, etc. Et on va vous dire aux États-Unis comment votre microbiote ressemble. Donc vous, votre profil ressemble à d'autres personnes aux États-Unis. Mais ils mentionnent quand même dans l'élément que, attention, ça ne rend pas un diagnostic. Alors Michael Pollan, qui est un journaliste américain très connu, dans le domaine, a envoyé son prélèvement et donc il a publié dans la presse le résultat. Voilà, on va lui dire, vous avez telle et telle espèce, tel enrichissement ou perte d'espèce et comment ça se compare à d'autres personnes en fonction des différents sites, hein, puisqu'en fait, on peut prélever les selles, mais aussi la salive, la peau, etc. En fonction de différents types de sujets et de populations et effectivement dans toute la population d'American Gut. Donc c'est assez intéressant parce qu'en fait, on peut préciser finalement, le profil d'une personne aujourd'hui par rapport à un groupe de sujets qui se ressemblent en termes d'âge et d'index de masse corporelle. Et ça, c'est encore une fois possible, finalement, à ces données sur les progrès rapides des outils de séquençage, où, vous voyez, en fait, ça va vite, hein, puisque 77, oh là, première donnée, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, 77 premières données sur la séquence. Les années 90, on séquence le génome humain. Et puis aujourd'hui, depuis 15 ans, il y a eu des progrès considérables sur le séquençage des gènes qui permettent d'accéder en fait, à ce monde merveilleux des bactéries et qui est quand même des données extrêmement intéressantes. Alors, on va revenir sur les enjeux. Je vous ai dit dans l'introduction que la problématique, c'était les enjeux de recueil. Donc, dans l'assiette de nutrition personnalisée, on a, merci beaucoup, on a effectivement les enjeux de recueil. J'y reviendrai donc après, mais avant ça, voilà, donc ici, vous avez un exemple où, par ces mesures, donc effectivement, on peut tout à fait imaginer des tests diagnostiques. Vous avez ici une population normale, ici une population surpoids obèse, et puis ici une population très, très obèse. Et en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez compter le nombre de gènes. Et ce comptage génique va vous donner une idée de la richesse et de la diversité. Donc en fait, ces travaux ont montré quoi ? C'est que plus on est corpulent, plus on va avoir un appauvrissement du microbiote. Or, je vous ai dit, justement, ces problèmes de poids, c'est très hétérogène. Donc, on a quelque part une façon de stratifier les personnes. Par exemple, ici, en fonction de la richesse. Mais donc, il y a d'autres types de mesures. Pas seulement, baisse de richesse veut dire également qu'on a plus de bactéries à propriété pro-inflammatoire et moins de bactéries à propriété anti-inflammatoire. Et là aussi, on peut se dire, ben voilà, ces personnes-là qui ont un microbiote appauvri, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ? Eh bien, en fait, ils sont plutôt plus gras, ils ont plutôt plus d'insulinorésistance et puis plus d'inflammation. Donc, avec ces informations-là, et ça recoupe ce qu'on avait dit tout à l'heure, est-ce qu'on peut aller vers l'intégration des données ? Alors, c'est fait dans le domaine académique d'un point de vue conceptuel. Là, c'est juste un exemple d'une étude qu'on a fait avec des collègues suédois, où l'idée, c'était de combiner de l'information sur la richesse, sur les fonctions, sur certaines espèces et sur des facteurs environnementaux, en particulier diététiques. Et de dire, ben voilà, on a des gens qui ont une faible diversité, d'autres une forte diversité, comment on peut faire que ceux avec une faible diversité de leur génome bactérien puissent rejoindre, en donnant des conseils alimentaires, des profils biologiques de ceux qui ont une forte diversité. Donc, en théorie, donc les collègues qui font de l'intégration de données, ben en fait, ils ont développé ce modèle qui s'appelle Casino, rien à voir avec la société. Et donc,
Et voilà, et donc c'est une sorte de preuve de concept qu'on on peut prédire par des changements alimentaires. Voilà, donc sur cette preuve de concept, il y avait effectivement, on disait, c'est ce groupe de sujets devrait consommer de tel ou tel aliment, pas nutriments, aliments. Ok, mais là, c'était fait dans un modèle à partir de 6 ou 7 types bactériens. Or, on a affaire à des centaines de milliers d'informations. Donc, on est au début, en fait, de ces éléments. Autre exemple très célèbre, c'est la réponse par les équipes israéliennes dont vous avez parlé, la réponse glycémique. Donc, 800 sujets, 1,5 million de mesures, avec effectivement, et finalement, ce que vous donnent ces données, c'est qu'en fonction de ce que vous mangez, sur le même repas, vous allez avoir des réponses glycémiques différentes. Et donc, ce qui est prédit derrière, et ce qui va aboutir à des sociétés dont on a parlé dans la première présentation, c'est de dire, en fonction de ce profil, on va effectivement modifier l'alimentation. Mais est-ce que réellement, on est dans une situation où finalement, les enjeux... j'aurais dû la mettre avant, celle-là. Donc ça, c'est en fonction de votre génome. On va vous dire quel est le meilleur partenaire. Bon. Seulement, je voulais revenir sur... les sources de variabilité. Et en fait, j'ai commencé ce propos sur le microbiote en disant, attention, parce que parfois on met un petit peu la charrue avant les bœufs, parce qu'on est encore à un stade où on a des enjeux sur les méthodes de recueil. Recueil des sels, certes, mais prélèvement sanguin, etc., c'est un enjeu. Sur les enjeux de conservation des données, il y a énormément de travaux et notamment des équipes européennes où vous envoyez des prélèvements à différents endroits dans le monde, ça vous donne des résultats différents. Issus du séquençage, et puis la relation avec les caractéristiques fonctionnelles. Donc on doit être prudent, en fait, non seulement sur ces méthodes de standardisation, mais également sur l'interprétation des données. Un autre exemple, c'est les entérotypes, c'est des données qui sont données donc également dans ces tests diagnostiques, en fonction de vos consommations alimentaires. Si vous êtes plutôt un consommateur de graisse animale, vous allez enrichir Bacteroides. Ici, d'hydrates de carbone, vous allez enrichir Prévotella. Mais là aussi, d'un point de vue méthodologique, si par exemple vous ajustez sur le nombre de cellules que vous avez dans vos selles, eh bien en fait ça va vous donner des résultats différents. Donc en fait, on est vraiment à un stade où ces données sont produites à très haut débit. On est capable de produire plus aujourd'hui que ce qu'on est capable d'analyser, mais avec effectivement des aspects qui doivent être nécessaires à la prudence et des enjeux également algorithmiques, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des questions par rapport au développement des outils d'intégration. Donc alors, est-ce qu'on sera demain comme ce monsieur-là, avec des tas de capteurs? Là aussi, la question, c'est si on veut démontrer quelque chose, quels sont les bons essais? Puisque finalement, il ne s'agit pas... Effectivement, il y a des ventes de produits sur le marché, mais comment on démontre l'intérêt en fait d'un produit? Et si on est à l'enjeu de la personnalisation, ce n'est pas les grands essais multiples quand on a l'habitude de voir avec les faisceaux de preuves. Il y a maintenant une réflexion sur quel type d'essai. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui s'appelle Nicolas Shor qui travaille là-dessus. C'est quel type d'essai clinique doit-on faire pour la médecine personnalisée? Donc je vais conclure, c'est le futur. Si on prend l'exemple du métagénome, la question c'est qui cibler? Pourquoi? Quoi? Pourquoi? Où cibler et quand? Qui? On a des enjeux, encore une fois, d'hétérogénéité. Des personnes différentes, des stades de progression différentes, peut-être des complications différentes. Quoi? Effectivement, dans le domaine du microbiote, l'alimentation, les pré-probiotiques, qui doivent être évalués, surtout les nouveaux qui vont arriver, les probiotiques de troisième génération, les métabolites, les enjeux du transfert fécal. On pourrait se dire pourquoi? Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, Bernard Guirand l'a dit en introduction, on a une relation particulière médecin-balade, je pense qu'on arrive quand même à les soulager, mais effectivement, pas suffisamment, peut-être dans certains cas. Où agir? Est-ce que ce sera directement sur le microbiote, la barrière intestinale, l'hôte? C'est tellement complexe qu'on ne peut pas imaginer qu'une seule action suffira, il faudra probablement que ce soit combiné. Et puis, en termes de prévention, est-ce que demain, effectivement, ces outils vont servir à la prévention? Et en fait, probablement, le message, c'est il faut avancer étape par étape et savoir scientifiquement ce qu'on fait, ce qu'on mesure, ce qu'on recueille. Et je vais terminer par ces technologies de rupture, ce sera la conclusion. Je suis désolée, il y a un peu de lecture. Voilà, les chatterbots. Alors, chatterbots, désolée pour ceux qui sont au fond. Donc, monsieur Siri von Happ, bonjour madame, merci d'être venue pour votre check-up programmé. Comment allez-vous aujourd'hui?
vais très bien. Madame Tristam Wellness dit bon, je vais très bien. Donc les scanners ont rien vu d'anormal. Bon, il semble que ça aille bien. Votre respiration est bien. Il y a des paramètres d'évaluation qui vont très bien. Mais bon, voilà, apparemment, votre dernier bilan, vous étiez enceinte. Vous avez eu un beau bébé. Félicitations. Ah oui, oui, la découverte initiale de la correction génétique ultérieure, de la prédisposition du diabète héréditaire paternel et la procédure de fécondation in vitro ont été très rassurantes, en fait, dès le début. Excellent, dit docteur Siri. Et d'ailleurs, avez-vous décidé de profiter de l'occasion pour que le génome de votre bébé soit séquencé à la naissance et de vous engager à des évaluations régulières sur le microbiote? Cette dame répond, bien sûr, docteur. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Nous sommes heureux de pouvoir soutenir la recherche, quoique de façon mineure, en fournissant nos séquences du génome et notre microbiote anonymisé, ainsi que nos antécédents médicaux à la base nationale sur les génomes. En fait, mon fils de 9 ans, Georges, interroge les séquences du génome de la famille chaque fois qu'un nouvel algorithme devient disponible et connaît toutes sortes de choses à ce sujet. Il a découvert sa prédisposition au diabète et comprenait le risque accru d'obésité exacerbée par le fait de passer trop de temps à jouer à des jeux informatiques traditionnels en ligne. Par conséquent, nous avons pu installer sur notre système de réalité virtuelle des programmes de jeux de nouvelle génération centrés sur le mouvement. Je vais m'arrêter là, sur cette conclusion, et remercier mon proche collègue Jean-Daniel Zucker pour m'avoir aidé dans cette présentation. Je vous remercie. Bon, merci Karine. Voilà un certain nombre de choses. Au fond, les outils existent, les bases scientifiques sont présentes mais incomplètes, et au fond, sont-elles assez solides pour qu'on entre dès maintenant et dans un futur dont on ne connaît pas le temps, dans les applications pratiques, dont on a tout de même l'impression qu'elles foisonnent, et qu'il se pourrait tout de même qu'elle soit plus orientée vers des aspects marketing et commerciaux que vers des réalités scientifiques. Bon, mais on reviendra dans la discussion là-dessus. Bon, alors, nous allons continuer, puisque nos orateurs, en plus, respectent parfaitement le temps qui leur a été imparti. Nous allons maintenant donner la parole à Céline Lenné, qui est directrice d'Alim Avenir, qui est un cabinet de veille et de prospective, et il me semble qu'elle va passer en revue toute une série de faits et les analyser pour montrer comment, finalement, il y a peut-être, comment dire, on peut constater une espèce de gap, d'incongruence actuelle entre le discours du scientifique et le discours du futurologue. Même si une partie de ce futur est déjà dans la réalité. J'ai mon micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais effectivement pas revenir sur tout le panorama qu'a très très bien fait Grégory. Je vais vous présenter plutôt axer ma présentation sur à la fois des limites, des freins et des risques. Et cette présentation est issue de l'étude Vigie Alimentation 2018, dans laquelle il y avait une dizaine de transformations que nous avons étudiées en effet de près. Et donc, une de ces transformations, c'était effectivement les aliments santé jusqu'à la nutrition personnalisée, donc le sujet d'aujourd'hui, avec comme objectif de prendre du recul sur toutes ces évolutions, sur l'ensemble de services, de produits et de services qui sont d'ores et déjà commercialisés, et également d'estimer leur potentiel à l'horizon 2030. Et cela a été réalisé notamment, vous le verrez, en se servant de beaucoup de sources, et également en interrogeant des experts ou des acteurs de ce secteur. Donc tout d'abord, je voudrais faire un petit point pour quand même rappeler la définition de l'innovation, puisqu'on parle beaucoup d'innovation à propos de ces nouveaux produits et services, et de rappeler des choses un peu évidentes, hein, que l'invention, bah, justement, c'est de mettre au point, par exemple, un nouveau produit ou un nouveau service, mais pour passer à l'innovation, il faut un certain nombre de conditions, et c'est vraiment des conditions, je dirais, non négociables, qui sont, bien entendu, d'abord de savoir si les consommateurs vont être demandeurs de ce type d'innovation, donc c'est tout la question de l'acceptabilité sociale, sur laquelle je vais m'étendre un petit peu aujourd'hui. Bien entendu aussi de voir si cela est rentable économiquement. Là aussi, c'est une question qui est reliée à la première à travers le consentement à payer des consommateurs. Et puis de savoir si c'est possible techniquement. Donc ces trois conditions qui permettent à une invention éventuellement de devenir une innovation, c'est-à-dire d'être diffusée largement. Et c'est seulement quand elle est diffusée, appropriée par les consommateurs, qu'on peut parler véritablement d'innovation. Donc
à travers ce prisme de lecture, je dirais, je vais passer en revue effectivement un certain nombre de limites ou de risques, qui sont d'abord des limites techniques liées aux outils. Certaines nous ont déjà été évoquées, je passerai rapidement. Ensuite, des limites qui sont liées à l'efficacité des recommandations, puisqu'on peut émettre des recommandations, encore faut-il qu'elles soient suivies, hein, on verra ça. Ensuite, donc, la question de l'acceptabilité, est-ce que les consommateurs, et là on fera des distinctions aussi selon les pays, sont prêts à utiliser ce genre de service ou acheter ce genre de produit. Et enfin, en imaginant qu'il fonctionne très bien, qu'il se diffuse, etc., on est encore une fois dans de la prospective, quels seraient peut-être des risques ou des effets pervers, des effets secondaires de ces technologies, parce qu'il faut aussi considérer cela quand on se projette dans le futur. Donc je vais passer rapidement sur les limites techniques, mais je pense que c'est simplement pour vous donner un peu une méthodologie quand on voit effectivement beaucoup d'effets d'annonce. Aujourd'hui, on est dans la food tech, dans une effervescence, beaucoup de choses qui sont effectivement mises sur le marché, des startups qui lèvent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros dans certains cas. Et pour autant, est-ce que ce sont vraiment des choses qui fonctionnent? Il faut toujours regarder un petit peu plus loin. Et bon, on peut le voir pour la plupart de ces nouveaux outils ou de ces nouveaux objets. Il y a quand même un certain nombre de limites, ils ne sont pas tout à fait au point, et il suffit de regarder, vous avez de la littérature, notamment du journalisme scientifique, vous avez des associations. Ici, on prend l'exemple de Nima, le petit capteur de gluten. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de limites liées à l'utilisation de l'outil, qui est encore un peu lourd, un peu bruyant, qu'on ne peut pas, quand on l'utilise au restaurant, qui est quand même l'utilisation principale, puisque c'est là qu'on ne peut pas lire les informations sur une étiquette, qu'on ne peut pas facilement tester un plat, puisqu'on ne peut pas décomposer le plat en les plusieurs aliments. Et puis, bien entendu, aussi la question du prix, puisque outre l'appareil, il faut aussi payer les capsules. Donc voilà, un certain nombre de réserves qui sont émises par des personnes qui l'ont testé, des personnes qui sont intolérantes au gluten, donc qui ont des blogs justement sur la maladie cœliaque. Et vous voyez également qu'une association a pris une position pour l'ensemble de ses membres pour dire qu'il fallait être très prudent dans l'utilisation de cet outil, parce qu'en fait, il n'est pas, à l'heure actuelle, encore une fois, tout à fait fiable, que parfois il ne détecte pas suffisamment bien le gluten ou l'inverse, un défaut positif. Se basant sur un certain nombre de tests que cette association a effectués, il déconseille aux personnes qui sont véritablement intolérantes de l'utiliser. Donc encore une fois, c'est simplement pour prendre encore un petit peu de recul, sachant que Nima arrive en France sur les tests sur le gluten et l'arachide prochainement. De même sur les trackers d'activité et les trackers aussi donc de tout ce qui va pouvoir être ingéré. C'est vrai que la promesse est formidable, puisque l'idée, c'est de remplacer toutes ces applications qui existent déjà, mais où vous renseignez vous-même ce que vous avez mangé et qui va calculer donc le nombre de calories, le nombre de nutriments, et vous permettre d'avoir un suivi tout au long de la journée, de la semaine et du mois de tout ce que vous avez ingéré. Bah, l'idée, c'est que ça vous épargne un peu ce côté fastidieux de recueil des données, où parfois il faut scanner des codes barres quand il s'agit de produits industriels, par exemple. Et pour autant, là aussi, beaucoup de réserves. Hein, il suffit de regarder. Déjà, il y a aussi un outil très, très pratique pour ce genre d'outils, c'est quand ils sont commercialisés sur des plateformes comme Amazon. Regardez les revues sur Amazon, vous verrez beaucoup de critiques, parce que les gens qui les ont achetés en sont assez mécontents, puisqu'ils constatent que ça ne marche pas, qu'en fait, donc ils ont pu voir que même en ne mangeant rien, il y avait un décompte de calories, ou bien quand ils avaient comparé avec d'autres outils de mesure, il y avait quand même des gros écarts. Là encore, c'est parce que sans doute la technologie n'est pas encore tout à fait au point. Ça peut s'améliorer, hein, bien entendu. Enfin, Karine l'a dit juste avant, tout ce qui concerne l'alimentation personnalisée à partir du microbiote, qui là aussi fait déjà l'objet de certains services de la part de certaines start-up. Là aussi, des journalistes ou des personnes qui ont fait un peu le test de réaliser différents tests et de voir les recommandations qui leur ont été faites, on constatait que pour un certain nombre de choses, c'était plutôt effectivement bien vu. Par exemple, l'intolérance au lactose, ça, généralement, les tests ne se trompent pas là-dessus, ils le disent tous, mais à la limite, c'était aussi quelque chose que ces personnes connaissaient déjà sur elles, hein, c'était pas une découverte. Par contre, pour ce qui était de savoir s'il fallait manger tel ou tel aliment en particulier, ben, vous voyez des exemples de diagnostics assez contradictoires, et donc qui posent encore une fois un peu le point d'interrogation pour savoir si justement on a suffisamment de données sur tout cela et suffisamment de recul pour pouvoir véritablement faire des recommandations solides sur ces questions d'analyse du microbiote.
Sur la question des tests génétiques, c'est la même chose. Il y a eu une prise de position de l'Académie de nutrition et de diététique américaine sur le sujet, pour dire que voilà, c'était pas encore prêt pour avoir vraiment, pour pouvoir délivrer vraiment des recommandations nutritionnelles. Donc, encore une fois, c'est peut-être une question de temps, mais simplement le marché a été un petit peu plus vite, je dirais, que la musique, un petit peu plus vite que la science, et peut-être qu'il faudra attendre encore quelques années pour avoir des choses qui soient un petit peu plus au point. Donc, tout ça, c'est sur les questions d'efficacité, efficacité technique de ces tests. Mais, encore une fois, il y a une autre question aussi, c'est à partir du moment où des outils ou ces tests vont pouvoir émettre des recommandations, comment ces recommandations seront-elles suivies? Est-ce qu'elles seront davantage suivies par les consommateurs? Est-ce que ça va vraiment infléchir leur comportement, puisque c'est quand même ce qui est souhaité? Il y a encore un gap entre les deux. Et là, ça a été mis en évidence par un gros programme de recherche européen, Food for Me, qui a été un programme d'ailleurs très large sur aussi d'autres questions, qui a porté ici sur 7 pays européens et sur un échantillon de 9000 personnes. Donc vous voyez, 9000 personnes, pardon, ça sera sur la question de l'acceptabilité que je montrerai tout à l'heure. Mais là, c'était sur un échantillon plus réduit. Mais en fait, le résultat, je vais aller très très vite au résultat. Les résultats de ce programme de recherche, c'était de dire que quand on compare différents types d'interventions et différents types de nutrition personnalisée, et le premier, le groupe de contrôle, c'est simplement celui qui a les recommandations officielles, la pyramide nutritionnelle et pas plus. Le groupe nutrition personnalisée, c'est celui qui a des conseils personnalisés, mais les conseils d'une diététicienne sur la base de ce qu'il reporte lui-même manger et sur la base de ce qu'il déclare faire comme activité physique, donc sans intervention d'objets ou de tests, de quoi que ce soit. Et ensuite, vous avez donc surtout le niveau 2 qui est celui du couplage entre les recommandations sur la base du phénotype, donc un certain nombre de mesures corporelles, et puis ensuite le niveau 3 sur la base de ces fameux tests génétiques. Et vous voyez que pour cette donnée-là, par exemple, les apports en folate, mais c'est la même chose pour les apports en graisse saturée ou en sel ou sur la diversité de l'alimentation, il n'y a pas énormément de différence entre le groupe de nutrition personnalisée, je dirais humain, et puis le groupe qui se base sur les recommandations du test génétique. Il y a les changements de comportement, il y a eu des changements de comportement dans les deux cas, mais d'une manière à peu près équivalente. Alors, dans tous ces objets connectés, ces nouvelles technologies, il y a donc, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette question de l'acceptabilité qui est très importante et qu'on peut essayer de mesurer de différentes façons. Là, je présente les résultats d'un travail de recherche du laboratoire Alice de l'INRA, qui sont assez récents, et qui ont fait état donc d'un certain nombre de personnes qui ont un refus vraiment des objets connectés qui vont servir soit à traquer l'activité, soit encore une fois à mesurer tout ce qui va être du domaine de l'alimentation. Alors on pourrait se dire, on aurait pu penser un petit peu facilement que ce sont les personnes qui sont, disons, de catégorie sociale un petit peu défavorisée, un peu éloignée des nouvelles technologies, qui ont ces réticences. Et c'est effectivement, ça fait partie des groupes qui ont été identifiés comme étant les personnes qui ont un rejet de cette technicisation. Mais en même temps, on a d'autres groupes qui appartiennent à d'autres catégories sociales également. Un groupe qui est plutôt féminin, par exemple, et de catégorie intermédiaire, et qui a un refus qui est lié à un refus d'une société qui viendrait quantifier tous les domaines, y compris les plus intimes, et qui est un refus étayé par un argument de la sagesse du corps. Le corps sait mieux que la technique ce qui est bon pour lui. Il y a un troisième groupe qui est également plus féminin, avec des individus plus jeunes, et qui estime que ces outils de self-tracking ont des effets négatifs parce qu'ils anticipent un accroissement de la culpabilité et du stress qui pourrait être lié donc à l'utilisation de ces outils. Papier, parce que je les connais pas par cœur. Et le quatrième groupe, aussi considère que l'automesure fait partie d'une contrainte. Et là, on a des personnes des milieux aisés et aussi intermédiaires qui refusent le risque de dépendance et aussi la question du traçage des données sur laquelle je reviendrai plus tard. Donc, on voit différentes motivations et différentes catégories sociales même qui vont être un peu opposées à l'utilisation de ces outils.
Cette question, elle a été aussi posée au niveau international tout récemment dans le cadre du CIAL 2018. Et là, c'était vraiment aussi intéressant d'avoir ces comparaisons internationales. Sur la question qui était posée, c'était est-ce que vous seriez intéressé par des menus personnalisés basés sur votre ADN ? Et là, on voyait vraiment une très grande différence, pas forcément à l'intérieur des pays développés, comme on l'observe d'habitude dans le domaine de l'alimentation. On a tendance à opposer notamment les modèles anglo-saxons et les modèles français. Mais là, c'est vraiment plus entre les pays développés et les pays émergents. Parce qu'on voit que dans les pays développés, il y a vraiment, pas une opposition, mais en tout cas un désintérêt assez fort qui est compris entre, donc en France, 75% de personnes qui ne sont pas intéressées. C'est le score le plus élevé. Bon, ça ne nous étonnera peut-être pas. Mais également 71% au Royaume-Uni ou également 68% aux États-Unis. Donc finalement, des scores assez comparables. Et c'est l'inverse, on peut le dire, en Chine, où il y a 65% de personnes qui sont intéressées, ou même encore en Russie, où vous avez 57% de personnes qui sont intéressées par un tel service. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que dans ce questionnaire, on a posé d'autres questions sur d'autres innovations, sur des choses comme la viande in vitro, et on retrouve aussi, un côté assez technophile et assez ouvert à ce type d'innovation dans les pays émergents par rapport à nos pays. Donc la question d'acceptabilité, c'est une chose qu'on peut mesurer comme on vient de le faire en posant carrément la question à personne, est-ce que vous êtes intéressé ou pas, mais pour aller au-delà, il faut aussi savoir parmi les personnes qui sont intéressées combien elles seraient prêtes à payer pour ce type de service ou de produit. Et là encore, je reprends le programme de recherche Food for Me, qui, donc comme je le disais, a été fait sur un échantillon vraiment très très large. Et bon, là on retrouve un peu les 30% qui seraient intéressés de tout à l'heure, mais parmi eux, ce qu'on voit, c'est que ce consentement à payer, finalement, il est assez faible puisqu'il serait inférieur à 50 €, donc bien inférieur aux outils et aux produits qui peuvent être développés dans le cadre de l'alimentation personnalisée, ce qui potentiellement posera un problème pour les startups ou les entreprises qui se lancent sur ce créneau-là. Enfin, donc je voudrais aborder des questions qui sont plus des questions éthiques ou des interrogations qu'on doit se poser d'ores et déjà, puisqu'on voit déjà se développer ce genre de produits et de services, et qu'on doit se poser d'autant plus à l'avenir si jamais ils se généralisent et si jamais ils se diffusent, donc c'est-à-dire si les conditions dont je parlais tout à l'heure sont remplies, ce qui n'est pas encore une fois tout à fait certain. Et là, effectivement, donc des questionnements à avoir. On a parlé tout à l'heure de 23andMe. Vous voyez qu'il y a quand même des questions à se poser sur le lien avec les laboratoires pharmaceutiques, sur le lien avec des entreprises comme Google, qui donc ont financé cette société, et sur l'utilisation des données génétiques, hein, des 5 millions de personnes qui ont déjà effectué ce test et qui n'ont pas forcément donné leur consentement à la vente ou à la réutilisation de ces données. Donc c'est quand même problématique. Alors c'est un sujet qui a été abordé dans le cadre du laboratoire de la CNIL, du laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, qui a écrit plusieurs fois sur ces questions-là. Et comme vous le voyez, donc qui met en garde et qui estime que devant l'impossibilité d'anonymiser complètement ces données, bien entendu, des données génétiques, hein, ben c'est bien quand même notre carte d'identité, et qui recommande de donner la possibilité de donner le consentement au cas par cas pour l'utilisation, et bien entendu, autant vous dire que pour le moment, c'est pas du tout le cas. Je rappelle aussi que ces tests sont interdits en France, en tout cas des tests qu'on appelle donc justement dits récréatifs, que ça soit pour retrouver ses ancêtres, ou bien pour encore une fois avoir des recommandations dans le domaine de la santé ou de l'alimentation. Bien entendu, ça n'empêche pas du tout qu'on puisse le faire, puisqu'il suffit de commander ça par internet et d'envoyer par la poste. C'est toujours aussi le problème de faire appliquer des réglementation dans des économies qui sont complètement ouvertes. Et que vous voyez que ça fait aussi l'objet de débats dans le cadre de la loi de bioéthique. Donc là, c'est vraiment un sujet sur lequel il va falloir, je pense, investir pas mal de temps et de réflexion de manière à peut-être pas forcément interdire le développement de ce type d'innovation, mais de bien encadrer, de voir ce qui est fait, encore une fois, de ces données. D'autant plus que
là je parlais de la marchandisation, mais les risques de fuite ne sont pas du tout non plus impossibles. Je citais tout à l'heure le cas de Facebook et de Cambridge Analytica, mais là vous voyez aussi que c'est déjà arrivé dans le domaine de ces outils connectés, puisque Under Armour, donc l'équipementier qui avait racheté l'application MyFitnessPal, une application qui est quand même utilisée par 150 millions d'utilisateurs dans le monde, a reconnu en début d'année une fuite de ces données, donc un piratage. Et encore une fois, sachant qu'il peut y avoir aussi des données vraiment personnelles et sensibles là-dedans. Donc ça peut être encore une fois très préoccupant. Et enfin, encore sur des questions de données, des questions éthiques aussi, c'est l'utilisation qui peut être faite de ces objets par les assurances et les mutuelles, parce que dans les scénarios possibles, c'est quand même tentant de se dire qu'on va pouvoir peut-être moduler les primes d'assurance ou des mutuelles en fonction du fait de savoir si on va pouvoir contrôler si les personnes ont un bon comportement ou pas. Et là, c'est des choses qui sont dans le domaine de l'assurance, qui sont déjà utilisées pour l'assurance automobile, c'est le fameux « pay how you drive », vous payez comme vous conduisez, avec si vous acceptez d'utiliser là encore un certain nombre de capteurs dans votre voiture pour savoir si vous respectez bien les limitations de vitesse, si vous mettez bien votre ceinture de sécurité ou autre, qui vous permettent de réduire votre prime d'assurance. Et là, on commence à y arriver, alors progressivement évidemment pour le moment, avec le cas de Generali qui a lancé le programme Vitality pour les salariés d'entreprise, qui, alors pour le moment en France, a été lancé en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. En France, c'est lié donc l'utilisation de capteurs d'activité et également de données sur l'alimentation. C'est lié à, si on observe bien ce qui est recommandé, à des bons de réduction dans des commerces partenaires, par exemple, donc plutôt à des incitations. Mais en Allemagne, il y a déjà des réductions de primes d'assurance qui sont liées donc au fait d'être adhérent à ce programme et de bien suivre ce qui est recommandé. Donc on voit qu'on sort aussi de la logique de la mutualisation du risque et on va vers une individualisation, plus une mutualisation, mais une individualisation. Et finalement, on sort aussi un petit peu de la logique de l'assurance tout court. Là encore, quand le programme avait été lancé en France, la ministre de l'époque, Marisol Touraine, était assez inquiète et avait tenté de l'encadrer. Donc comme je le disais, pour le moment, il n'y a pas de modulation des primes des assurances. Mais toujours est-il que ça peut être aussi un peu le loup dans la bergerie et ça peut évoluer à l'avenir. Donc là encore, il faut être prudent. Donc je conclue sur ces questions. Je pense qu'il faut faire attention, effectivement, de ne pas trop se précipiter, qu'il y a tout cet encadrement des produits et des services, que ça soit au niveau de la gestion des données personnelles et de l'utilisation qui peut en être faite. Il y a aussi toute la question que je ne vais pas développer maintenant, mais peut-être dont Jean-Pierre parlera après, sur les nouvelles inégalités sociales de santé, parce qu'on sait bien sûr qu'il y a déjà de fortes inégalités de santé liées justement au suivi des recommandations, la consommation de fruits et légumes, la consommation de poissons, ce genre de choses. Même si des services ont vu des coûts diminuer considérablement, ça ne reste pas à la portée de tout le monde. Et demain, il y a encore cette question de est-ce que ça ne va pas creuser les écarts entre des personnes qui auront les moyens de se... Encore une fois, si ces services sont efficaces et s'ils marchent bien, entre les personnes qui auront les moyens de se les payer et des personnes qui ne le pourront pas. Et donc, comme je le disais, je suis passée un peu vite, toutes ces questions qui, à mon avis, nécessitent un vrai débat, je pense qu'on va l'avoir déjà un petit peu aujourd'hui, mais sans doute à creuser encore par la suite. Donc voilà, je termine, je vais être encore trop vite, mais je termine pour laisser la parole encore au dernier orateur, et puis pour vous inviter à échanger tout à l'heure sur le sujet. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement complet qui a abordé évidemment tous les points importants de cet aspect, de la non-fiabilité démontrée de pas mal de ces outils qui rejoint dans le domaine de l'alimentation, mais ailleurs aussi, les montres chargées de mesurer l'activité physique et d'en déduire la dépense énergétique, lorsqu'on les contrôle avec des techniques de laboratoire, ont des écarts fantastiques et il n'y en a pas un qui donne quelque chose de crédible à moins de 30 ou 40% près. Donc c'est grave d'accorder de la fiabilité à ça. Alors il y a
ça, il y a tous les aspects éthiques que vous avez manifestement très très bien pointés et qui me paraissent être une interrogation absolument majeure, à commencer aussi par le coût. Et quand on nous dit que ça peut répondre aux attentes des consommateurs, la diapositive que vous avez montrée sur les résistances à payer ou à utiliser sont en même, me semble-t-il, importantes, loin de ce qu'on pourrait appeler les attentes des consommateurs. Bon, alors maintenant, dernier exposé, on va demander à Jean-Pierre Poulain, une vedette de la sociologie française, notamment dans le domaine alimentaire, pas seulement française aussi, hein, en Malaisie aussi, et qui va nous parler de ce que ces technologies du futur sont susceptibles d'apporter dans les représentations, si j'ai bien compris. Et j'espère qu'il va nous dire qu'il faudrait peut-être pas qu'on ressemble au bonhomme qu'on a vu bardé de capteurs, parce que ça m'étonnerait qu'on soit bien tous d'accord pour faire ça. Merci. Avant de démarrer, peut-être, je vais essayer de travailler sur deux lignes. La première ligne, c'est comment des sociologues regardent ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup d'effervescence dans ce domaine scientifique, comment les industriels peuvent s'en emparer, comment le grand public réagit face à ça. Et puis, la deuxième question, ou la deuxième ligne, qui est que nous mangeons sans doute pour être en bonne santé, mais nous mangeons pour toute une série d'autres raisons. C'est-à-dire que l'alimentation est utilisée dans la vie sociale pour d'autres objectifs que les objectifs de la santé. Et donc cette question de la cohabitation entre des horizons individualisés sanitaires et des horizons plus collectifs est une question qui va nous intéresser également. Ceci dit, cette question de la relation entre l'individu et le collectif, c'est une question permanente au fil de l'histoire. Et les manières de table, c'est un ensemble de règles qui définissent ces relations entre l'individuel et le collectif. Et ce que nous vivons n'est pas tout à fait une nouveauté à l'échelle de l'histoire. Chaque transformation a retravaillé cette question des relations entre le « je » et le « nous ». Alors, sur la première partie, comment des sociologues regardent cette question ? Alors, avec ce mot-clé de la thématisation, c'est-à-dire de la façon dont des avancées scientifiques réorganisent un champ d'action et un champ de compréhension, un champ de connaissance. Alors, on peut le faire au niveau de la science elle-même, et ça s'appelle de l'épistémologie, c'est-à-dire qu'on regarde comment des avancées scientifiques réorganisent à l'intérieur d'une discipline, on parlera de changement de paradigme, mais comment également cette question change le jeu dans les relations que les disciplines entretiennent entre elles, créant de nouvelles passerelles, mettant au columbarium des idées fausses d'autres champs qui avaient fait les beaux jours de l'activité scientifique à d'autres époques. Mais la thématisation, elle est aussi sociale. C'est-à-dire que lorsque des nouvelles technologies, des nouvelles connaissances arrivent, eh bien, on voit des industriels s'en emparer, on voit le grand public réagir, avoir envie d'eux ou au contraire en avoir peur, et imaginer de nouvelles utilisations, nouvelles perspectives, et les exposés de ce matin, de cet après-midi, pardon, j'arrive de loin, donc je ne sais pas si c'est le matin ou l'après-midi, donc les exposés nous donnaient à voir ces éléments-là. Et puis, la thématisation, elle est aussi politique, c'est-à-dire que ce qui réglemente, régule, organise la vie collective, réagissent à cela avec des termes d'éthique, avec des termes de choix, d'analyse, la problématique des inégalités, pourra en faire partie. Et puis enfin, cette thématisation, elle s'opère pas seulement dans la société, elle s'opère aussi dans les médias, et les médias vont jouer un rôle considérable dans ces interactions. Ça, c'est une première ligne. Comment on travaille ? On travaille sur quel matériau ? Un premier matériau qui est les publications.
scientifiques elles-mêmes qu'on regarde moins de l'intérieur qu'en les comparant, en regardant s'il y a des controverses, s'il y a même niveau de publication, avec dans des grandes revues, des gens qui pèsent lourd dans la discipline, racontent des choses qui sont plus ou moins compatibles, s'il y a du consensus, s'il y a de la controverse. Et puis, avec les autres membres de la société, eh bien on va travailler avec des entretiens, avec des focus group. Cet après-midi était pour moi une après-midi de travail. En vous écoutant, j'ai pu faire mon métier en essayant de voir comment se thématiser, s'organiser ces questions-là. Alors, je vais m'appuyer sur un certain nombre de résultats qui ont été produits en partenariat avec Tristan Fournier dans le cadre d'un post-doc qu'il a réalisé pendant 2 ans avec une veille sur l'épigénétique. Alors, je vais me concentrer un peu sur ce qui était la deuxième tendance tout à l'heure présentée. Et on a fait 2-3 publics sur, ces travaux, et je vous invite à y jeter un œil. Alors, je vais, dans un premier temps, essayer de voir comment les espoirs déçus, peut-être momentanément déçus, il y a des avancées, on voit bien qu'il y a des rebondissements en ce moment. 2003, c'est la fin du séquençage du génome humain. On a investi énormément d'argent et à chaque fois, on a justifié cet investissement par de nouvelles thérapeutiques, des nouveaux médicaments. Et force est de constater qu'on va avoir une certaine désillusion scientifique dans les années qui suivent. Mais en même temps, il y a 2 idées qui vont apparaître, c'est-à-dire cette idée de la nutrition ou de la médecine personnalisée, en fin de compte, qui n'est pas nouvelle, mais elle va se recombiner, se réorganiser, et des perspectives nouvelles vont apparaître, dont la nutrigénétique, la nutrigénomique, l'épigénétique appliquée à l'alimentation, et puis appliquée au microbiote. Et puis, on va avoir le développement donc, de ces éléments, et puis cette loi que les informaticiens ont développé, qui montre à quel point ce qui a coûté une fortune lorsqu'on a démarré aujourd'hui, tout à l'heure avec 100 euros, nous disait Karine, on peut faire son séquençage de son propre génome. Et on peut imaginer que ça va encore baisser. J'aimerais bien placer notre discussion sous les auspices de Petre Skrabanek, qui était un médecin de santé publique, qui a dirigé le New England pendant de nombreuses années, et qui nous disait édicter des prescriptions générales et les prétendre valables pour tous, pour tout le monde, pardon, est aussi stupide qu'inquiétante. Donc on est bien dans une tendance qu'on pourrait considérer comme un progrès de voir la médecine venir de plus en plus prendre en compte les caractéristiques des individus. Alors, venons-en au rapport à l'alimentation et aux avancées scientifiques. On a d'abord eu cette première grille de lecture qui essayait de voir comment, à la fois, les aliments avaient une incidence sur les gènes et comment les gènes avaient une incidence sur notre manière de digérer l'alimentation. Mais très vite, l'épigénétique est venue changer cette grille de lecture. L'épigénétique n'est pas nouvelle du tout. L'idée qu'il existe sur le génome une couche supplémentaire qui pourrait avoir une influence sur l'expression des gènes est une idée qui date des années 40. Mais elle va trouver, après le séquençage du génome humain, des nouveaux développements. Alors, ces développements, on peut quand même saluer les travaux faits par des Français en la matière et Claudine Julien a travaillé sur ces questions activement en distinguant 3 niveaux. Alors je vais les prendre peut-être, je vais revenir à ça, je vais les prendre sur une échelle temporelle avec 3 fenêtres. Des fenêtres temporelles qui viennent changer la manière de regarder l'interaction entre les gènes, on va dire au sens large pour le moment, et l'alimentation. Une première fenêtre qui est une fenêtre longue qui mêle génétique des populations et alimentation, ce que nous avons mangé, et nos parents, nos grands-parents ont mangé,
modifie, transforme, réduit le portefeuille de gènes présents dans une population. Et lorsque des enfants sont conçus dans cet univers, eh bien, il y a un ensemble de caractéristiques possibles, d'autres qui ont disparu. Demeurant, les populations bougent, se déplacent, des mariages s'opèrent en ce moment sur des formes qui étaient différentes. Vous savez que très belle phrase de Claude Lévi-Strauss qui explique que les gènes ne se baladent pas de façon librement dans la nature et qu'ils sont encadrés par un certain nombre de règles, et celui, il appelait ça les systèmes de parenté, le fait de considérer comme une épouse possible ou un mari possible, quelqu'un va autoriser le fait de mélanger un patrimoine génétique avec un autre. La deuxième fenêtre, c'est la fenêtre de l'épigénétique qui, pendant un temps, a été cantonnée à la grossesse, où on pensait que, à ce moment-là, eh bien, ce que mangeait la mère, les émotions de la mère, allait avoir une influence, non pas à court terme sur le poids de naissance ou sur les quelques jours qui vont suivre la naissance, mais au long cours, sur la santé de la personne, de l'adulte. Et puis, la nutrigénomique, c'est-à-dire comment, dans le cycle de la vie, ce que nous mangeons va avoir une influence sur l'individu. Je reviens ici sur la question de la méthylation des gènes, qui, pour faire très simple, pourrait apparaître comme un dispositif un peu comme l'interrupteur de lumière, même s'il y a quelques débats, est-ce qu'il marche comme quelque chose qui module l'intensité ou est un système on-off, mais viennent modifier l'expression, éteindre ou allumer, plutôt éteindre, l'expression d'un gène. Alors, on a pendant longtemps considéré que au moment de la méiose, eh bien, il y avait un nettoyage des traces épigénétiques et que d'une certaine façon, un enfant partait sur des bases nouvelles avec un code génétique propre de toute trace épigénétique. Puis, c'est apparu comme bien plus complexe que ça. C'est-à-dire, des traces peuvent passer les générations. Et on voit en ce moment l'explication classique de la nutrigénomique colonisée par une explication de type épigénétique et l'épigénétique qui se déplace en termes d'explication au point qu'on va avoir le programme, je ne l'ai pas là, le programme des 1000 jours de l'OMS qui consiste à faire partir les 1000 jours du moment de la conception jusqu'à plusieurs ou deux années après la naissance, considérant que dans cette fenêtre-là, eh bien, des choses qui vont se produire vont avoir une influence sur la santé de l'enfant pendant toute sa vie. Alors, cette question amène, du point de vue de l'organisation scientifique et de la thématisation, on passe d'une vision déterministe de la santé humaine, dans laquelle, bien sûr, tous les généticiens parlent des relations avec l'environnement, mais l'environnement reste quelque chose d'assez général, un peu macro, comme un préalable, ce qu'on pourrait appeler un tournant environnementaliste à travers l'épigénétique. Et je voudrais prendre deux minutes pour montrer à quel point c'est probablement une des grandes révolutions scientifiques, même si je ne suis pas capable de dire si ça va se passer demain ou après-demain, cette question. Mais pour la première fois, sans doute, dans l'échelle de l'histoire, nous allons avoir des données empiriques sur lesquelles des généticiens pourront dire des choses et des spécialistes des sciences sociales et humaines pourront dire des choses. Jusqu'à présent, chacun tient son petit dialogue séparément et on a des titres de communication, le point de vue du sociologue, le point de vue du... ça reste souvent intéressant, mais là, il pourrait y avoir un saut qualitatif pour le développement de recherche pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, dans lequel on pourrait s'entendre ou commencer à s'entendre sur le statut de données empiriques, des traces de méthylation, par exemple. Alors, cette nutrition personnalisée, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors, comment je saute à la nutrition personnalisée? C'est qu'on voit ici que on a beaucoup parlé des tests génétiques, ce sont ceux qui sont disponibles aujourd'hui, mais des tests épigénétiques sont imaginable et
Voilà. Et cette question-là, même si on connaît une instabilité de l'épigénome plus grande que... Et il y a un certain nombre de problèmes techniques, mais on peut imaginer disposer d'informations qui permettraient de resserrer très sérieusement les facteurs de risque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que les tests d'aujourd'hui, ça ressemble à un extrait du PNNS. Hein, il faudrait manger des fruits et des légumes. J'exagère à peine. Donc, cette question, elle permettrait de sortir de la pensée en population. On est là sur un portefeuille sur lequel on discute depuis tout à l'heure. Et puis, elle permettrait d'introduire l'histoire sociale, culturelle, familiale, environnementale. Vous voyez qu'elle n'est pas aussi complètement individuelle. C'est-à-dire, c'est l'individu, mais autour de l'individu, c'est la société, c'est l'environnement, c'est d'autres, et l'environnement au sens physique du terme. Grand Dieu, qu'il me soit permis de parler de celui qui a été mon directeur de thèse, et qui, lorsqu'il avançait ses histoires d'interactions bio-psycho-socio-anthropologiques, à l'époque, un certain nombre, il était très écouté dans le monde de la biologie, mais comme avec le regard du sociologue, comme quelqu'un qui réfléchissait un peu général, de façon générale, et chez les sociologues, il disait quand même, là, il décolle un peu hein, des données empiriques. Eh bien, voilà qu'il se pourrait que les avancées de l'épigénétique redonnent une actualité à ces questions-là. Alors, on va venir maintenant à la question des relations avec la société. L'émergence des tests, il y a différents types de générations de tests. Celle dont on a parlé jusqu'à présent, c'est la première génération. Peut-être que je suis allé un peu vite en écrivant ça, mais j'ai le sentiment qu'on est sur un paradigme scientifique en partie dépassé. Et qu'on est sur des entreprises qui font du retour d'investissement après avoir mis beaucoup d'argent dans le séquençage du génome humain. Ici, l'épigénétique nous amène à penser qu'il y a un niveau de complexité qui n'est pas pris du tout en compte et qui pourrait être pris en compte si des tests donc apparaissaient comme sur l'alimentation, comme plus facile à développer. Le deuxième élément, c'est les conséquences. La question, c'est médecin ou pas médecin ? Comment ce diagnostic est fait ? Aujourd'hui, c'est interdit, mais enfin, si vous en voulez un, dès demain matin, vous pouvez. Est-ce que ces questions-là, on a un accompagnement médical ou pas ? La question de l'annonce du diagnostic, comment dans la formation médicale ces questions pourront trouver une place ? Et on a des enjeux de droits internationaux ici qui apparaissent. On revient là-dessus, voilà ce que je cherchais tout à l'heure, l'initiative des 1000 jours, comment les politiques de santé publique s'emparent de ces questions. Donc on a ici une forme de thématisation, même si on sent bien qu'on est sur un champ scientifique qui est en cours d'élaboration, en grande partie sur des données d'origine animale et peu de données humaines, donc de grands espoirs, et en même temps, on voit comment on passe à des politiques publiques. Les enjeux strictement sociaux. Vous avez affaire ici à des choses qui vont modifier les rapports entre les individus. C'est-à-dire que si on est capable de dire demain que le comportement d'une femme pendant sa grossesse a eu des effets, même si on accorde le crédit de celle qui ne savait pas, parce qu'à l'époque, les connaissances n'étaient pas là, vous voyez comment les relations mère-enfant peuvent être l'objet d'une redéfinition, y compris en termes de responsabilité juridique. Cette question-là, les rapports père-enfant, on voit combien tous les spécialistes de l'épigénétique font attention à ne pas trop charger la barque des femmes, qui n'avaient pas tellement besoin de ça en plus, et rappellent que la qualité du sperme des hommes pourrait être, elle aussi, déterminée par leur pratique alimentaire, etc. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître ici dans l'alimentation une nouvelle temporalité.
une temporalité qui dépasse les générations. Alors je vais vous expliquer en deux mots sur quoi se reposait la recherche qu'on a faite auprès du grand public. On a travaillé avec des focus group et on a proposé deux scénarios. Un premier scénario qui consiste à projeter les gestes nutrigénétiques d'aujourd'hui et en disant « demain, ils vont être très fiables ». Et à essayer de voir comment les gens percevaient ce futur. Et là, ce n'est pas l'enthousiasme. Ce n'est pas l'enthousiasme parce que on se sent resserré, enfermé dans un discours nutritionnel de santé. Et d'un seul coup, l'idée que l'alimentation, c'est beaucoup plus que ça, est posée comme une revendication. Et puis, ça devient presque intolérable. Puis on a un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est l'épigénétique. Et là, on introduit la responsabilité intergénérationnelle. C'est-à-dire comment ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, me concerne, mais concerne mes enfants. Et là, il se passe quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé dans le tabac lorsqu'on a introduit la notion de fumeur passif. C'est-à-dire que l'idée que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous concerne, mais c'est quelque chose qui nous concerne les autres. Et ça se densifie avec la problématique de l'épigénétique appliquée à l'alimentation par le fait que ça concerne les enfants et vos enfants. Et là, on a un scénario qui, autant dans le premier, il y avait un rejet, autant dans le second, sans enthousiasme, il y a l'intégration de l'importance de cette responsabilité. Je termine juste. Bernard Guigrand en a parlé, la figure de Trémolière, la question de la nutrition personnalisée, ce n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Alors je voudrais ici qu'on prenne la mesure des grandes différences d'alimentation à l'échelle de la planète. Ces différences, elles reposent bien sûr sur des biotopes, mais elles reposent sur la façon dont les cultures s'emparent des biotopes. Comment les tabous religieux, comment les représentations religieuses, les représentations sociales, les rapports de genre, tous ces éléments-là vont transformer notre manière de manger, ce que nous mangeons, et bien sûr, la manière de manger. Alors, j'ai développé ça dans un modèle qui s'appelle l'espace social alimentaire, et là, je vais juste me concentrer sur cette partie. Ce modèle, il a deux objectifs. Le premier, qui peut paraître un peu naïf, qui consiste à dire mais qu'est-ce qui relève de du social ou de la culture dans l'alimentation ? Parce que c'est tellement mêlé, entremêlé, que si je veux pouvoir parler avec mes collègues nutritionnistes, il faut que d'abord que je me dise, bon, mais l'ordre du mangeable, si je mange du chien, du poulet, du cheval, ça relève de la culture, c'est des choix culturels. Comment ces aliments sont produits ? C'est aussi des choix culturels. La manière de les cuisiner, les habitudes de consommation, à quelle heure, comment je les mange, la différenciation sociale qui se joue sur l'alimentation, l'espace politique. Une fois que j'ai défini ça, eh bien, alors je peux aller me mettre en dialogue. Parce que ceci, ça se développe dans un espace de liberté, laissé par des contraintes physiologiques. Et le statut d'omnivore nous laisse un très grand nombre d'espaces de liberté. En fin de compte, le choix des protéines, si on a les acides aminés qu'il faut, que ça vienne du lait, que ça vienne de la viande, des œufs, d'un savant mélange entre des céréales et des légumineuses, ça a peu de conséquences. Le choix des acides gras, à nouveau, que ça vienne... alors si je vis plus longtemps que 70 ans, ça peut être important de revisiter des traditions. Mais cet espace de liberté est grand et permet aux sociétés de faire des choix qui n'ont pas de conséquences nutritionnelles, mais qui ont des conséquences sociales, qui ont des conséquences sur les identités, qui ont des conséquences sur l'être ensemble. Et sauf que ces conséquences... une fois qu'on a fait cette première grille de lecture, on s'aperçoit, grâce à l'épigénétique, mais grâce aussi à l'impact environnemental, je vais le prendre après, que ces choix,
ont des conséquences. Et on voit ici que cette fenêtre de l'épigénétique qui s'ouvre nous amène à prendre la mesure que certains choix qui pourraient être à partir de ce qu'était la nutrition, macronutrition, micronutrition, et une nutrition plus fine abordant la composition des nutriments avec plus de finesse, eh bien, l'épigénétique nous ouvre une grille de lecture nouvelle. Comment elle vient moduler notre capacité à digérer et à utiliser les aliments. Comment, de l'autre côté, nos amis chinois qui adorent les ailerons de requin, et lorsque les classes moyennes se développent en Chine et qu'il y a des moments importants où il faudrait manger des ailerons de requin, eh bien, vu le nombre de Chinois, il ne va pas y avoir assez de requins assez vite. Et les requins ont aussi leur rôle à jouer dans le concert de l'équilibre de la planète. Et on voit ici comment des choix qui n'avaient pas de conséquences peuvent avoir des conséquences environnementales. Alors je termine simplement en rappelant deux, trois idées. Un, nous changeons beaucoup au cours de la vie. Nous changeons beaucoup parce que nous passons par des cycles. Allez, j'en prends un ou deux. Lorsque vous vous mariez, vous vous mettez en couple, c'est deux mondes alimentaires qui se rencontrent. C'est d'abord des goûts, j'aime ça, j'aime pas ça. Et vous réorganisez, si vous changez de partenaire, vous allez réorganiser votre univers alimentaire. Un enfant qui débarque dans un couple, eh bien, c'est aussi une manière de changer. Quand on regarde, nous, on a un critère. S'il y a des enfants de moins de 12 ans dans un ménage, eh bien, vous avez des pratiques alimentaires qui sont plus normées. Quand les enfants sont plus vieux ou quand il n'y en a pas, eh bien, vous avez des pratiques alimentaires qui sont plus lâches. La fin de vie est un moment aussi très important. Et puis, pour terminer, nous mangeons, et ce que nous mangeons est défini par un certain nombre de caractéristiques socioculturelles. Et donc, cette question d'une alimentation qui serait strictement définie par nos intérêts sanitaires, elle se heurte très vite à des questions de type de genre, de religion, du cycle de vie, des ressources, des cultures régionales. Imaginez que des facteurs de risque me soient découverts sur un certain nombre de points et que ceux avec qui je vis ce soit différent. Comment manger le cassoulet ensemble? Et c'est quand même important de manger le cassoulet ensemble. Et donc cette question de l'articulation entre l'individuel et le collectif reste une question importante. Mais voilà, ces fonctions sociales de l'alimentation, c'est qu'à travers l'alimentation, nous entretenons, nous construisons nos identités sociales et culturelles. C'est à travers l'alimentation que des enfants apprennent des choses basiques sur leur société, mais tous les systèmes de normes, d'interaction. Jean-Pierre Corbeau a pour habitude de dire « Les manières de table, c'est une mise en scène concrète des systèmes de valeurs d'une société à une époque donnée. » Eh bien, sans parler, nous mettons en scène ce qu'est le « je », ce qu'est le « nous », ce qu'est le collectif, ce qu'est le propre, ce qu'est le sale, pour notre société. Ça varie d'une société à l'autre. On est dans quelque chose par lequel les sociétés transmettent leur système de valeurs d'une société à l'autre, transmission intergénérationnelle. Voilà rapidement. Et l'alimentation, c'est de l'interaction sociale tout le temps. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je vais faire les courses, tu m'achètes mes yaourts et j'ai intérêt à lui acheter ses yaourts. Parce que ce sont ses yaourts. Et ces interactions, je fais la cuisine pour vous. Et tous ces éléments-là, j'ai acheté du vin. On va manger ça. C'était pas bon ce que j'ai préparé. Et vous voyez comment ici, en fin de compte, c'est des interactions sociales partout. Merci de votre attention. Cette dernière idée, le social a des effets très importants, mais il a aussi des effets délétères. C'est-à-dire que c'est un peu notre boulot. Nous, on a tendance à jouer un peu de violon sur l'importance de la convivialité, de la commensalité. Il y a des endroits où elle a des effets positifs d'entraînement, positifs à l'hôpital, mais elle a des endroits où elle peut avoir des effets négatifs. Merci de votre attention.
Je vais terminer juste peut-être. Voilà, ça c'est mon côté chef de rayon. Si vous voulez prolonger la réflexion. Merci Jean-Pierre Poulain. Voilà, au terme de ces exposés, Jean-Pierre, les effets bénéfiques de l'alimentation hospitalière, je ne l'aurais pas trop mis dans les effets positifs tout de même. Hein. Mais à part ça, on y reviendra, non, c'est pas le moment de discuter, mais c'est des petites remarques comme ça, parce que effectivement, c'est des effets positifs ou négatifs. Maintenant, il faut faire quand même très attention. Pour l'obésité, on se focalise presque exclusivement sur l'alimentation. Et ça, je pense que c'est une réduction majeure de la problématique. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui conduisent à la prise de poids et à l'obésité que l'alimentation. Alors il se trouve que c'est la cible sur laquelle tout le monde mitraille. Après des années, je dirais des décennies, de contact intime avec ce genre de problématique, je pense qu'on se trompe largement de cible. Non pas que l'alimentation puisse avoir des effets pervers. C'est hors de question de dire le contraire. Mais tout de même, c'est pas l'alpha et l'oméga du système. Et la normatisation, ben, ça aboutit à tout ce que Jean-Pierre Poulain nous a brillamment montré, et que je suis sûr que dans l'assistance, un certain nombre de gens pensent la même chose, mais que c'est très bien de le redire. Donc nous avons fait un tour complet et envisagé la complexité extrême du problème. Et face à cette complexité, la question qui se pose est: est-ce que l'ultra-simplification, à condition que ça soit fiable, des outils numériques, est susceptible de répondre à cette complexité sans, par ailleurs, balayer la culture, l'environnement, le plaisir. Bon, je veux bien que ma gélule faite artificiellement comme ça, là, bon, d'abord, encore faudrait-il évaluer l'efficacité de ces procédures. Pour l'instant, c'est le calme plat. Il n'y a aucune espèce d'évaluation sur les effets, même à court terme, de ce type de procédure. Même les Serious Games, par exemple, sont encore très très mal évalués dans leurs effets. Bon, alors voilà, je ne vais pas discuter tout seul. Hein. Donc, je pense que le temps est venu à l'auditoire présent, ou au bout de leurs écrans, de poser les questions auxquelles ils souhaiteraient que les auteurs répondent. Bien entendu, les auteurs eux-mêmes, entre eux, peuvent discuter et se poser eux-mêmes des questions. Ça va de soi. Alors, qui entame le bal? Une main là-bas. Vous vous nommez, s'il vous plaît. Merci. Professeur AgroParisTech. Et en fait, c'est plutôt un élément de discussion qu'une question. Mais c'est pas interdit. Hein. Merci pour tout vous exposer. Non, je voudrais juste dire que pour cette branche du marketing qui travaille sur le comportement du consommateur, le marketing, nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille plutôt sur l'alimentation, non pas le paradigme de la nutrition, mais le paradigme de l'alimentation comme bien-être, et qu'on cherche à développer. Et d'ailleurs, lundi dernier, ma doctorante a soutenu sa thèse sur qu'est-ce que c'est que le bien-être alimentaire, en demandant aux consommateurs, parce que c'est eux qui nous intéressent, ce qu'ils entendaient par bien-être alimentaire. Et quelle conclusion ? Oh, ça prend 400 pages quand même. Hein. en tout cas, l'idée, c'est que... Si j'étais journaliste, je vous dirais en deux mots. Ouais, je vous dirais, allez donc rencontrer Ophélie, elle vous le racontera mieux que moi. Non, c'est parce que je voudrais juste dire, d'abord, je voudrais faire un peu de pub. Ophélie, donc Mugel, mon ex-doctorante et moi, oui. Non, nous avons monté... Oh, remarquez, Jean-Pierre en a bien fait. Pour... Voilà. Non, nous avons lancé une appli qui s'appelle Food and Joy,
hein, Food and Joy, vous voyez le jeu de mots. Oui, oui. C'est valable que sur Android, donc même moi, je ne peux pas... Mais si vous avez des Android, vous pouvez... Alors, on n'a rien à vendre, hein, c'est simplement pour faire avancer la recherche, parce que si vous téléchargez l'appli, on va vous demander à certains moments de la journée... si vous sentez bien. Voilà, donc c'est oui, plutôt pour faire avancer. Et alors ? Et c'était plutôt pour vous montrer qu'on peut aussi utiliser les outils numériques, tout ce qui est domaine connecté. Bien sûr. Pas forcément dans un sens de self-quantification, quoi. Et notamment, non, effectivement, mais... à partir du moment où on se dit que l'alimentation, ça participe au bien-être, ben. C'est le comptage des calories, c'est tout sauf du bien-être, quoi. Donc il faut aller dans d'autres directions. Et puis c'est pas moi qui vous dirai le contraire. On va tenter bientôt avec Coam de voir si on peut avancer de. Bon, très bien. Alors vous n'avez pas donné la marque de votre appli, tant mieux. Mais non, c'est pas une marque, ça. Non. Ben voilà, ça y est. Non, mais ceci étant, il n'est pas question. Ça suffit. Il n'est pas question de jeter aux orties les outils numériques. Bien évidemment qu'ils ont un intérêt. C'est une évidence. Là où le bât blesse un peu, c'est de passer de l'information collectée à une décision, à une prévision ou à une action correctrice. Parce que alors, c'est là que, pour l'instant, c'est pas mûr. Bon, d'autres questions ? Oui ? Alors, le monsieur d'abord. Merci. Bonsoir, je suis Étienne, étudiant en diététique, BTS, première année. J'avais une question peut-être plus pour la personne thérapeute, parmi les quatre personnes qui ont fait des exposés très intéressants, merci. Est-ce que vous pensez que ces outils numériques qui progressent très vite peuvent être un allié du thérapeute, c'est-à-dire le médecin nutritionniste ou le diététicien, ou ça peut être plutôt un court-circuit de leur travail ? C'est-à-dire un repli des gens sur leur téléphone qui aujourd'hui mesure les pas qu'on fait dans la journée, mais peut-être demain qui nous donne notre profil et ce qu'on doit manger. Voilà. Est-ce que c'est plutôt pour vous une menace ? Est-ce que ça peut être un allié qui vous aide au quotidien ? Quel est votre point de vue là-dessus, quoi ? Merci. Je veux bien répondre. C'est une question vraiment importante, en fait. Il y a plusieurs éléments de façon de répondre. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Donc ça, je pense que déjà, c'est la première chose. Menace, moi on voit des patients, non, je vois ça comme un outil, et donc la relation médecin-malade va être réinventée de toute façon. Donc, et donc là, il y a des enjeux qui sont très forts, qui sont des enjeux pour moi pédagogiques, parce qu'il faut enseigner, parce que, je veux dire, ces outils vont être là. Donc, et en fait, ça a été abordé aussi, c'est la vraie question aussi, c'est en quoi ça va changer la prise en charge. Quels sont les enjeux de l'adhésion à un nouvel outil dans la prise en charge thérapeutique ? Il y a plein de questions qui doivent être abordées aussi par la recherche. C'est pas parce que ces outils sont là, enfin, c'est la problématique entre guillemets du gadget, c'est pas péjoratif dans ma tête, hein, mais et réellement comme outil. Donc je pense de toute façon ces outils vont être là. De toute façon, il va falloir faire évoluer ces outils, ça n'empêchera pas que cette relation... En fait, on le voit bien, par exemple, dans les réseaux de patients sur l'éducation thérapeutique. En fait, rien de tel avec l'utilisation de l'Internet, par exemple, ou bien la concertation entre les patients physiquement. Enfin, ils viennent, il y a ce contact social. Ce contact social, de toute façon, pour moi, il est essentiel. J'espère que donc, de toute façon, ça existe. Il va y avoir une adaptation... des aspects pédagogiques, des soignants et des gens qui sont soignés. Et oui, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Je sais pas si... Oui, bien évidemment. Mais il faut aussi s'en méfier. Mais ça dépend à quoi on va les utiliser. C'est une aide au diagnostic, si c'est une aide à la prescription, oui. Mais bien entendu, moi, je ne peux pas imaginer une médecine sans contact. C'est une évidence. Un petit commentaire vraiment très rapide, pour ne pas monopoliser le micro, mais on a fait une étude dans le cadre d'une étude européenne qui s'appelle Metacardis. Donc les gens viennent, on est dans le cadre de la recherche, on a un prélèvement de sel, et puis en fait, on fait ce que je vous ai montré, diagnostic, métagénomique, richesse, etc. Pourtant, on est dans le cadre de la recherche. Les gens demandent en fait leurs résultats. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plusieurs. Donc ça, en fait, on a travaillé avec des éthiciens
qui sont situés à Lyon, pour répondre à cette question. On ne peut pas dire aux gens, bon non, vous êtes dans un protocole de recherche, on ne s'est pas engagé, vous donnez les résultats. Enfin, c'est juste qu'on ne peut pas faire ça, parce qu'en fait, on est en lien avec ces gens. La question, c'est que si, dans ce cas, on donne un résultat, quel résultat on donne, de quelle façon, quelles sont les précautions qu'on va prendre, comment on va expliquer. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et pourtant, on est à l'aube, on n'est pas dans du diagnostic, hein, on est dans la recherche. Et pourtant, cette question se pose. Oui. Deux petites remarques. La première, c'est que il y a des gens pour qui ça fait sens. On utilise la notion de locus de contrôle, c'est-à-dire comment quelqu'un contrôle son activité. Il y a des gens qui le contrôlent eux-mêmes. Et il y a des gens qui ont besoin de d'autres personnes pour les contrôler. Alors l'épouse dit, t'as pris tes médicaments? Ah putain, merde, oui, j'ai oublié. Et là, on parle de locus de contrôle externe. Et les locus de contrôle externe, ils peuvent être familiaux ou ils peuvent être professionnels. Et c'est vrai que pour les gens qui sont dans cette troisième catégorie, c'est un formidable prolongement de l'équipe médicale ou paramédicale que de disposer ce vecteur qui rentre dans la vie quotidienne de l'individu. Pour les autres, c'est quelque chose qui se configure différemment. Donc je pense qu'il faut avoir cette lecture de la diversité des situations. Et la deuxième petite remarque, c'est que pour l'alimentation... Quand on est devant le médecin ou le nutritionniste ou le diététicien, on est dans une situation où on est deux. Et donc j'entends des remarques, mais mes conditions de vie peuvent être très très différentes. Je peux faire la cuisine, vivre seul, faire mes courses, faire ma cuisine, manger. Là, je contrôle plein de choses. Mais je peux aussi, on a vu tout à l'heure, me trouver dans une situation où il y a beaucoup d'interactions sociales et que ces interactions viennent brouiller, modifier les choses. Moi, si je ne fais pas la cuisine, je ne choisis pas les matières grasses que je vais utiliser, voire même la quantité, la nature, etc. Et donc, l'importance d'avoir à l'esprit cette différence entre le domaine d'action de la vie quotidienne et celui dans lequel on émet le conseil, qui est une situation duel dans laquelle, bien sûr, j'ai envie d'écouter, mais comment le mettre en œuvre ? Bon, le micro, s'il te plaît, Irène, tu le donnes à... Il faut respecter la parité, hein, un homme, une femme. Oui, c'est ça. Merci. Donc, Sylvio Boiron, moi, j'avais une interrogation. J'ai entendu qu'il y avait une attente des consommateurs sur ce type d'approche de nutrition personnalisée, mais j'ai du mal à comprendre comment elle peut s'articuler avec les grandes tendances qu'on voit depuis pas mal d'années ou plus émergentes, qui sont le retour à la nature, la peur, les nouvelles polémiques autour de l'alimentation ultra transformée, la première peur des Français qui sont les pesticides. Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre comment ça s'articule. Vous voulez vous répondre? Oui, j'ai pris le micro, donc oui, je pense que vous voulez apporter répondre. Quelques éléments de réponse. D'une part, c'est pas forcément incompatible, je pense, avec la notion de durabilité, de prise en compte de l'environnement, les circuits courts, etc. Bon, à part évidemment si on va sur des technologies un peu pointues comme l'impression 3D, où là on commence à être dans l'ultra transformation. Et après, l'autre phénomène, mais qu'on observe à plein de niveaux dès qu'on parle de nutrition au consommateur, c'est que il est souvent dans une schizophrénie où il veut un peu tout et son contraire. C'est-à-dire que il veut des produits circuits courts qui sont fabriqués à côté de chez lui, et en même temps il veut le super fruit qui vient d'Amazonie parce qu'il y a une belle histoire ou que c'est à la mode. Donc il y a souvent cet antagonisme entre différentes aspirations qui peuvent être effectivement paradoxaux, et c'est clair. Du coup, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont avoir les mêmes attentes ? Oui, parce que je pense que tout consommateur que nous sommes, on peut avoir des envies différentes qui sont antagonistes à des moments différents dans la journée. Le midi, j'ai envie de manger rapidement et je vais prendre un plat cuisiné ou quelque chose qui va m'aider à manger en dehors de chez moi rapidement. Et le soir, je vais avoir envie de cuisiner des choses brutes avec ma famille. Voilà, on est dans des moments de consommation et dans des contraintes qui sont pas les mêmes et qui font évoluer le besoin. Je pense que faut pas voir le consommateur de façon monolithique, super cohérente, super intégrée, parce qu'en réalité c'est une complexité, on l'a vu, qui est super super importante.
Si je peux rajouter, oui, je pense que c'est vraiment pas incompatible, parce que si on prend déjà les applications qui existent, coach nutritionnel, qui vont faire des recommandations de menus, etc., ça va plutôt dans le sens du fait maison, en fait, ça va plutôt dans le sens de, maintenant, ces applications qui vont jusqu'à aller vous faire votre liste de courses, voire être interconnectées avec des sites d'e-commerce. Tout à l'heure, Grégory présentait le cas de la start-up Habit. En fait, Habit a commencé par livrer des repas, mais en fait, bon, sur la baie de San Francisco, mais ils se sont rendus compte que c'était un peu compliqué au niveau logistique. Et maintenant, ils sont interfacés avec Amazon Fresh, qui va livrer les ingrédients nécessaires pour réaliser les recettes qui sont recommandées par Habit. Donc, à la fin, on a quoi ? On a des personnes qui vont cuisiner à partir d'ingrédients frais, certainement d'ailleurs locaux et bio. Ça, j'ai pas été vérifié. Donc, c'est pas du tout incompatible avec ce désir de naturalité, de fait maison, de produits frais. Simplement, le coach nutritionnel, lui, par contre, il est technologique. Oui, monsieur, vous avez demandé la parole. Oui, Denis à la petite. Moi, je suis consultant en matière de... Oui, ça marche. Ça marche. Mais l'approchez pas trop pour nous. Comme ça marche, non ? Oui, oui. Enfin, bon, je suis consultant en matière d'outils numériques pour l'évolution de métiers classiques. Et, mais la... Il n'est pas branché, là, votre micro. Bon, je suis allergique au... Il y a une allergie au micro. Oui, la technologie, c'est pas toujours facile à manipuler. Bon, enfin, ma question, c'est... je sais pas, la tonalité était un peu négative à certains moments. Quelles seraient vos préconisations pour que ces recommandations personnalisées à base d'analyse de génome, de microbiome et d'épigénome, plutôt, maintenant, soit positive, et notamment, est-ce qu'il ne faut pas, au contraire, aller vers la constitution de données plus nombreuses et encourager des partages de données, bon, effectivement, avec des règles éthiques et des données. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait un plan français, enfin, ou des organismes, ou est-ce que vous êtes en train de le concevoir pour aller vers des outils qui soient plus intéressants dans le futur, si ça doit être le cas? Oui, tout le monde a bien entendu, oui. Non, les auditeurs n'ont pas bien entendu. La question, c'est est-ce que toutes ces analyses, tous ces faisceaux de données qui vont être collectés vont conduire à l'établissement ou à la promotion de plans... Comment orienter cette collecte de données? Qui veut répondre? Toi, Karine? Oui, enfin, je peux répondre sur ce qui se passe au niveau européen. Donc, il y a plusieurs aspects. Donc, on a évoqué la difficulté du recueil. Et en fait, il y a des enjeux de recueil sur l'aspect environnemental. Donc, il y a des travaux, par exemple, de consortium européen sur... finalement, quel minimal set de données il faudrait collecter pour évaluer les données alimentaires, les données sur l'activité physique, etc. Et puis associer aux aspects génomiques. Donc ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect, en fait, qui est un peu de provocation, si je peux dire. Pour moi, la France a raté, par exemple, l'ère génomique, d'une certaine façon. Ça a été mieux géré en Europe par l'Angleterre, par exemple. Si la France rate l'ère du post-génome et de l'intelligence artificielle, malgré les annonces politiques qui sont faites, on va être en deçà, en fait, de ce qui est développé. Donc, en fait, là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est dans le plan Obama, par exemple, il y a une décision volontaire de collecter des... Alors, bon, on sait que c'est plus Obama qui est président, mais qui a été de collecter... des millions d'informations sur des données génomiques et métagénomiques, mais aussi pour donner des outils pour la recherche. Parce que les questions... Effectivement, vous avez dit, j'ai senti des tendances un peu négatives dans les choses. Moi, je ne suis pas négative parce que ça va arriver de toute façon. Je dis juste prudence parce qu'il y a encore des étapes sur la problématique du recueil, de la variabilité, du traitement de l'information. Ça va vite, mais il y a encore des étapes. C'est nos travaux de recherche, on est en train de le faire. Les enjeux, je pense, ils sont un peu politiques. C'est aujourd'hui quelles décisions on fait sur, effectivement, la problématique de l'intégration de variables. Et en fait, quand on parlait des outils tout à l'heure, c'est finalement de l'intégration des données environnementales, mais associées à la biologie. Compte tenu de la complexité, on aura besoin de toute façon de combiner les informations. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
En France, on n'a pas l'équivalent de la biobanque britannique. Oui, oui. Il y a des tests. On peut espérer des tests plus puissants. Et on peut espérer une évolution. Donc, les outils, parfois, reposent sur des paradigmes qui sont en cours de dépassement ou de développement. Ce qui fait qu'il y a des résultats un peu décevants. Les tests nutrigénétiques, aujourd'hui, ressemblent assez à l'astrologie, quand même. Hein. Voilà, donc... J'espère que je ne provoque pas les spécialistes. Non, pas du tout. Non. Mais aujourd'hui, il faut... en fait, il faut être aussi proche des questions de terrain, je pense. C'est, finalement, on peut faire des plans sur l'intelligence artificielle, on sait très bien, mais la question, c'est quels sont les besoins de terrain et en fait, comment on peut répondre. Et quand on parle de la relation de soins, comment cette relation va évoluer. Et donc ça, on peut y répondre... Pour aller vers votre question, on peut y répondre de façon scientifique. C'est finalement quelles sont les questions posées, comment les aborder. Et si on y répond de façon scientifique, faut mettre les moyens pour y répondre. Ça veut dire large cohorte, collection, harmonisation des procédures au niveau international, etc. C'est ce qui est un peu fait dans le domaine du métagénome. Il y a toute une réflexion sur, aux États-Unis, en Europe, comment on harmonise la collection, quelles sont les bonnes procédures dans la chaîne pour aller vers peut-être demain le diagnostic. Oui, je voudrais ajouter que ce qui a pu vous paraître négatif concerne pas le principe, mais concerne la maturité actuelle de l'usage de ces outils. C'est pas du tout la même chose. Que, vous voyez ce que je veux dire ? À l'heure actuelle, bon, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il est relativement partagé par les orateurs qu'on a conviés, c'est pas mûr. Et on en fait probablement une promotion exagérée par rapport à ce qu'ils peuvent apporter, et notamment en termes de bénéfices santé. Il n'y a aucune espèce d'évaluation. Et quand on vous montre que pour le folate, on est aussi efficace dans son conseil avec la personne qu'en utilisant tous ces outils, on se dit, mais alors... À quoi ça sert de payer, même ne serait-ce que 50 euros, pour avoir cette affaire-là ? Donc, tant qu'on n'a pas évalué scientifiquement, et tant qu'on n'a pas scientifiquement déterminé les instruments ou les data qu'on doit mettre dans l'algorithme ou ailleurs, on est quand même... Bah, Karine a dit, on va plus vite que la musique, quoi. C'est ça, le scepticisme qui, moi, m'anime. Autre question. Alors, nos orateurs, au bout de leurs ordinateurs, sont muets. Mais c'est pas comme ça d'habitude. Hein. Il faudrait qu'ils se réveillent, à moins qu'on les ait ennuyés profondément. Mais je pense qu'il y a quand même des questions passionnantes qui se posent là-dessous. J'ai vu un bras se lever là-bas. C'est pas pour de la publicité, hein, ce coup-là. Non, allez-y. Bonjour. Nazila Seneipour. Pardon. Voilà, on est dans un contexte de plus en plus anxiogène des consommateurs à qui on dit ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, les applications qui se développent sur ce qui est bon, pas bon, nocif ou pas. Bientôt, ils vont pouvoir connaître leurs facteurs de risque d'avoir le diabète, Alzheimer ou je ne sais pas quelle autre maladie qu'on pourrait potentiellement prévenir par l'activité physique, l'alimentation. Est-ce qu'on mesure un peu l'anxiété chronique que ça peut générer et les effets potentiellement néfastes que ça peut avoir finalement sur la santé de l'autre côté? Est-ce que c'est quelque chose qui est en voie d'exploration? Ah ben, je vous remercie, parce que c'est une excellente question. Car effectivement, ça se pose. Vous savez, si on vous dit que vous êtes des jeunes de prédisposition au diabète, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est diabétique, le niveau de prédiction est largement plus important ou plus facile à acquérir. Bon, qui veut répondre à ce domaine-là, sur l'anxiété, sur peut-être vous ? Oui, c'était ce qui était apparu dans les résultats des travaux du laboratoire Alice, là, de l'INRA, que c'était un des facteurs dans les différents groupes qui s'opposent, en tout cas, à l'utilisation des objets connectés. C'était un des facteurs d'explication, hein, c'est effectivement le stress que ça pouvait causer. Et puis ça rejoint ce qu'on disait aussi, c'est l'utilisation des tests. Effectivement, ça existe déjà, hein, c'est ce qu'on disait, des tests qui vous permettent de savoir si vous avez prédisposition et des risques de développer aussi telle ou telle maladie liée à l'alimentation. Le problème,
problème, c'est que souvent, il n'y a pas d'accompagnement justement médical pour interpréter les résultats, et pour, enfin, psychologique, en fait, c'est ce qui manque aussi. Hein. C'est un peu le suivi psychologique quand on apprend ce type de nouvelles, et après, comment on l'intègre. C'est vraiment un aspect manquant. Je voudrais quand même réinsister sur justement ces tests. Encore une fois, il a fallu, par les vagues d'études du génome, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple très concret sur un des gènes FTO qui a été le plus confirmé. Au départ, il a fallu des centaines de milliers de personnes pour détecter des variants génétiques dont les effets individuels sont faibles. Donc même si on les combine, de toute façon, c'est beaucoup de polymorphismes dont les effets sont faibles. Et donc la vraie question, donc on passe d'un système comme on appelait, qui existe toujours, evidence-based, c'est-à-dire beaucoup de personnes, evidence-based medicine, beaucoup de personnes où on définit en fait des facteurs de risque, mais encore une fois, le retour à la personne, c'est pas évident. Et d'autant plus qu'ils interagissent avec des facteurs environnementaux. Donc en fait, il y a même des enjeux méthodologiques, c'est qu'il faut encore plus de gens avec des facteurs environnementaux différents pour voir des effets. Donc c'est pour ça, le scepticisme, c'est juste prudence. Qu'est-ce que ça veut dire pour le retour à la personne? Et alors effectivement, après l'aspect anxiogène, je trouve que c'est une excellente question et qu'il faut effectivement aborder. Ouais. Bah, il faudrait peut-être en revenir justement à la définition du risque. Il faut distinguer danger et risque. Un danger, c'est quelque chose qui existe, mais le risque qu'il vous atteigne dépend de tas de choses. C'est vrai pour le risque qu'on a dans un variant de sa génétique, mais c'est vrai aussi pour le risque de se faire écraser quand on traverse la rue alors que le feu est vert. Bon, là, il y a un danger, mais le risque, il va varier. Si vous voulez traverser à 6 heures de l'après-midi quand il y a beaucoup de voitures, le risque est énorme. Mais si vous traversez à 2 heures du matin quand il n'y a aucune voiture qui circule, le risque est nul. Donc c'est ça qu'il faut voir, distinguer. Et ça, je pense que beaucoup de gens dans la population ne distinguent pas assez la différence entre un danger et un risque. Il peut y avoir un danger, mais s'ils sont la chance de le rencontrer est extrêmement faible, le risque, il n'est pas grand. C'est très... Je pense que tu voulais intervenir aussi, excuse-moi. Pour relier les deux questions qui ont précédé, sur les tests, il y a effectivement un travail scientifique qui va avancer qu'il faut créer les conditions pour que ça avance. Mais de l'autre côté, c'est les usages sociaux de ces informations. C'est-à-dire comment ça se met non pas contre... Mais comment on articule ça dans l'évolution de la vie quotidienne? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes à un moment où les temporalités par rapport à l'alimentation changent. Elles ont changé avec la transition épidémiologique. Le fait de mourir de maladies chroniques qu'on détecte de plus en plus tôt et qu'on accompagne, souvent avec d'ailleurs une prise en charge dans laquelle il y a une partie nutritionnelle, amène à avoir une alimentation en deux phases dans la vie. Une première phase dans laquelle on a des facteurs de risque et on crée potentiellement des problèmes à venir. Et cette information, elle va être de plus en plus précise. Et ces tests vont participer à ça. Et une seconde phase dans laquelle le diagnostic d'une maladie chronique est posé et où on peut ralentir, accompagner, améliorer la qualité de vie d'un individu en jouant sur l'alimentation. Donc l'alimentation a basculé avec la transition épidémiologique dans le temps long et il faut en prendre acte. Et donc elle change le rapport à l'anxiété. Mais avec l'épigénétique, ça nous fout encore un coup encore plus important, puisqu'on va avoir de l'influence. Ce que nous mangeons a de l'influence sur nos gamins. Waouh ! Et là, on se trouve avec une temporalité et des facteurs anxiogènes encore plus importants. Et c'est effectivement un des enjeux dans les rapports entre science et société, de chercher cette articulation entre l'avancée des connaissances et la façon de les assumer, de les gérer. Et ça peut être aussi intéressant de connaître ces facteurs de risque. Ce n'est pas que négatif. Pas d'autres questions pour l'instant ? Bon, si on veut revenir au... Jean-Pierre, si on veut revenir à la période des 1000 jours et à ce qui se passe pendant la grossesse, etc., la preuve de concept, elle est établie, indiscutablement.
Mais chez l'homme, les conséquences de tel ou tel type de comportement pendant la grossesse ou avant ne sont pas totalement établies. On se base sur quelques exemples historiques, sur quelques données biologiques, mais sur le très long terme, on n'a pas encore les données. Il est possible effectivement que de vastes études comme ELF ou d'autres aboutissent à ces conclusions, mais à l'heure actuelle, bon, il y a quelques règles simples, hein, bon, mais si c'est pour dire aux femmes enceintes de prendre de l'acide folique, pas besoin de ça, on le sait depuis très très longtemps. En dehors de quelques exemples qui sont bien ciblés, le reste, on ne sait pas trop. Karine. Ouais, moi j'avais justement une question, peut-être la première présentation, c'est finalement les outils sur l'interaction nutriments et puis en interaction par exemple avec des facteurs génétiques, etc. On sait que ça a tellement évolué aujourd'hui, c'est que bon, enfin quand on regarde l'historique de l'alimentation, on est passé d'une période où finalement, effectivement, en cas d'une carence bien identifiée, unique, cause-conséquence, il y a une carence identifiée, on remplace, etc. Puis après, il y a eu l'ère des nutriments. Alors, bon, on va parvenir sur les batailles entre les acides gras et les hydrates de carbone. C'est pas, voilà. Et puis maintenant, on est passé à la problématique en disant, bah maintenant, il faut arrêter que les nutriments, c'est l'aliment. Donc, en fait, j'ai été surprise sur cet outil, sur regarder interaction nutriments dans les outils. Parce qu'en fait, finalement, on sait qu'il faut dépasser cette problématique du nutriment et aller vers, effectivement, des profils comportementaux. Donc, je ne sais pas, j'avais envie d'avoir le commentaire. Alors c'est vrai que la tendance c'est de plus en plus d'avoir une vision un peu plus macro et plus sur le nutriment, enfin plus sur l'aliment justement que le nutriment. Après c'est vrai que les technologies de collecte de données qu'on a vu là, elles sont très très micro voire nano puisqu'on descend à les cellules génétiques, etc. Donc c'est un peu paradoxal, ça je suis bien d'accord. Après c'est peut-être qu'il manque une brique dans le dispositif, c'est que peut-être qu'il faut aller chercher de la donnée de façon très très fine parce qu'on a les moyens de le faire et que ça permet d'être très très individuels, mais à un moment donné, il faut rajouter une brique de synthèse par rapport à tout ça pour délivrer un conseil qui, lui, va être macro, qui, lui, va être sur l'aliment. Ce que font certains, d'ailleurs, quand je citais l'application Day2, qui fait une analyse de microbiote et qui, après, renvoie sur des conseils alimentaires, eux, ils descendent pas sur un détail de souche bactérienne, etc. Donc, c'est peut-être ça qui va se dessiner dans les années à venir. Ouais, c'est peut-être superficiel, quand même, leur analyse. Pour l'instant, peut-être aussi. Absolument. C'est-à-dire qu'ils surfent sur une vague en se disant on est des experts de l'analyse du microbiote, etc. Donc c'est un peu le côté surpromesse de certaines technos qui sont mises en avant. Et aujourd'hui, ce qu'ils délivrent est peut-être un peu léger encore. Ben, bien sûr. C'est un peu ce qu'on voulait dire. Hein. Mais de toute façon, quand on en arrive à parler de l'aliment et non pas de la collection de nutriments qu'il compose, alors là, mais on ne dispose pas d'une base de données permettant de les classer. Tout ça, c'est à la base de l'espèce d'arnaque que nous offre la classification Nova, qui est un espèce de patchwork hétéroclite qui ne permet pas de façon satisfaisante de classer les aliments. Même si on peut imaginer qu'un certain nombre d'aliments d'origine ultra-transformée ont peut-être été un peu trop transformés, ça c'est possible, mais on n'est pas capable, à l'aide de cette classification particulièrement imprécise, de catégoriser les aliments. Et d'ailleurs, c'est ce qui anime le Fonds français Alimentation et Santé, dans la mesure où il cherche à promouvoir, à travers le projet Numalim, la caractérisation depuis sa... depuis la culture, le mode de culture de l'aliment, jusqu'à la façon dont il est vendu, c'est-à-dire de l'ensemble de la chaîne alimentaire, concourant à une espèce de carte d'identité des aliments, qui permettrait à la fois d'avoir un outil de recherche fantastique pour l'épidémiologie nutritionnelle, bien plus performant que ce que l'on a maintenant, et qui, en plus, permettrait, à ce moment-là seulement, d'en sortir des recommandations un peu sensées et logiques. Voilà. Donc ça, c'est... Si le concept qui consiste à dire que l'aliment ne se réduit pas à la somme de ses nutriments, je crois qu'on est bien d'accord avec ça. Et c'était déjà dit il y a fort longtemps. Il y a fort longtemps, André Molière le disait. Hein, je suis désolé, nous avons repris ça. Maintenant, comment... aller au-delà, même si c'est souhaitable, force est de reconnaître que les instruments pour y aller,
nous manque. Parce qu'il n'y a pas eu assez de recherche dans ces domaines. Est-ce qu'il faudrait affiner les processus en intégrant non seulement toute la formulation des aliments, qu'ils soient industriels ou domestiques d'ailleurs, des aliments, hein, qu'ils soient domestiques, artisanaux, industriels, ce sont des processus de transformation, ce sont des processus de formulation dont les effets biologiques ne sont pas connus ou pas ou mal, dont les conséquences santé sont pratiquement inexistantes ou incohérentes, et dont il faudrait rajouter les modes de culture, les aspects économiques, etc. Et je me demande si là, il n'y a pas comme une espèce de concept religieux, ou comme, je ne sais pas si tu pourrais commenter, parce que finalement, on est en train de nous édicter des normes, des règles qui vont changer la culture, comme tu l'as dit. Mais est-ce qu'elles ne sont pas aussi prégnantes que certaines règles religieuses dans le temps, qui sont d'ailleurs de moins en moins respectées? Bon, d'autres questions? Oui. Magali, je crois, non? Je pense, hein. Magali Boquet, Alliance 7. Je crois que ça fonctionne pas. Il n'est pas allumé ton micro, ou je sais pas, ou quoi, ou tu parles pas assez fort. Ça marche? Non? Non, toujours pas. Bon bah. Merci. Donc Magali Boquet, Alliance 7. Je voulais revenir sur des aspects plus économiques. Tout à l'heure, on a vu, je ne sais plus avec quel intervenant, les impacts que les outils connectés pourraient avoir avec les assurances, et notamment la relation avec la prime assurance qui pourrait être dégressive en fonction de la capacité de la personne à se prendre en charge et à faire des efforts pour éviter tout risque de maladie. Mais moi, je vois un autre travers aussi sur ces outils un peu plus de connaissance des maladies ou des prédictions de maladies de la personne qui se dirait « Bon, maintenant, je sais que j'ai un risque de diabète, je sais que j'ai un risque de cancer. » Et du coup, je demande à l'assurance maladie, forcément, les examens nécessaires pour éviter ou en tout cas pour mieux encadrer ce risque. Alors, je pense, voilà, je voulais juste jeter cet élément dans le débat. Je pense pas que quelqu'un ait de réponse, mais effectivement, ça me projette dans ce domaine-là. Et tout à l'heure, on parlait d'un accompagnement médical, et je pense qu'effectivement, c'est nécessaire, parce que savoir qu'on a un risque et de ne pas être accompagné, ça peut déjà emmener une certaine angoisse, mais aussi peut-être somatiser ce risque et du coup le déclencher, ou en tout cas y aller plus rapidement. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour de cette connaissance de ces risques santé qui me semblent très importantes peut-être à éclaircir avant de donner accès à tout le monde à ces outils. Bon, on a déjà un cas de quand on est enceinte et qu'on va faire la prise de sang pour savoir où est-ce qu'on en est. En fonction du résultat de la prise de sang, il y a un examen qui va en découler. Voilà, on a déjà pour moi la voie qui est ouverte, et je pense qu'une meilleure connaissance de son risque santé pourrait aussi amener à des revendications ou en tout cas à une prise en charge de la Sécu qu'il ne faudrait pas négliger dans l'aspect économique du système. Ça me paraît une très bonne question, mais je voudrais mentionner aussi que l'annonce d'un risque potentiel peut entraîner chez l'individu la réaction totalement inverse. Je parlais du concept religieux, du concept de prédestination. J'ai un risque, mais je vais crever de ça, tant pis, je me fatigue plus, je me fais plaisir. On pourrait imaginer ça. Et je rappelle, par rapport au risque assurantiel, tout de même, les classifications du poids et la détermination des seuils de l'obésité sont tout de même sorties des compagnies d'assurance américaines dans les années, juste à l'après-guerre, là, fin des années 50, début des années 60, où les compagnies d'assurance vie américaines avaient bien repéré que les gros, ils mouraient plus vite, donc ça serait peut-être bien de les faire payer davantage. Donc on est en plein là-dedans. Et des exemples que ça a existé, eh ben, on en a.
Oui, effectivement, c'est moi qui parlais des assurances. Ça existe, comme vous dites, ça existe déjà aux États-Unis, notamment parce que c'est des mutuelles privées essentiellement, donc qui sont décidées au niveau de chaque entreprise. Donc là, les primes sont déjà modulées en fonction d'un certain nombre de choses, comme l'utilisation des trackers d'activité ou sur l'alimentation aussi. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses, comme toujours, des aspects positifs et des aspects négatifs. Le problème, encore une fois, c'est de bien encadrer ça. Un autre exemple dans lequel ça pourrait être utilisé, donc c'est aussi les crédits immobiliers, par exemple, enfin, les crédits de long terme. Aujourd'hui, c'est bien encadré, justement, il y a un certain nombre de choses que les établissements bancaires peuvent demander ou ne pas demander. On peut envisager qu'il y ait aussi une régulation pour l'accès à ce type de données. Ça a multiplié les cas. Pendant très longtemps, ça a un peu disparu maintenant, mais il suffisait d'avoir eu un cancer et d'en être guéri pour ne plus avoir accès au moindre. Mais je crois que ça a changé. Ça a changé, oui. Voilà. Ça a changé. Mais c'est récemment, hein. Depuis 20 ans, c'était monnaie courante. Ouais. Ouais. Mais vous savez, la politique des assurances, c'est surtout on vous assure à condition que vous n'ayez pas de sinistre. Ça, c'est effectivement beaucoup le cas. Mais l'assurance automobile fait ça très très bien. Puis on continue. Vous avez trop de sinistres, on vous vire. On continue de vous demander si vous êtes fumeur. Donc demain, je pense qu'on pourra vous demander si vous mangez gras. Enfin, c'est un peu la même démarche. Oui, absolument, oui. Oui, sauf que on peut vous poser la question, mais vous ne serez pas surveillé. Et là, c'est le côté Big Brother, en fait. Sauf que si on me demande si je suis fumeur, je peux répondre non. Mais si on me fait une analyse de salive, je suis coincé. C'est ça la différence. C'est ça votre truc. Bon. Exactement. Mais en France, quand même, je voudrais dire, on a parlé tout à l'heure, enfin, vous posiez la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner sans freiner, etc. En France, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organismes comme la CNIL, on a la loi de bioéthique aussi qui va apparemment s'intéresser à ces questions-là. Bon, j'ai pas creusé plus, mais je pense que c'est ça l'idée. Hein. C'est de pas, évidemment, prendre trop de retard dans le domaine de la recherche, effectivement, sinon ça continue sans nous, mais ne pas non plus autoriser tout et n'importe quoi. Je pense qu'on a une position qui est bien intermédiaire. Oui, mais les barrières sont malgré tout faibles. Malgré tout faibles et facilement contrôlables. C'est toujours contrôlable. À quoi ça sert d'avoir interdit les tests génétiques en France, oui, alors qu'on peut se le faire sur Internet facile? Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est valable pour beaucoup de questions de bioéthique et c'est pas pour ça qu'il faut pas faire des lois bioéthiques. C'est pas pour ça qu'il faut pas avancer, non, on est bien d'accord. Autre question ? Nos auditeurs à distance sont toujours aussi muets, Chloé. C'est dommage, mais j'espère qu'on les... Ils sont... À moins qu'on pense qu'on les a tellement convaincus de la pertinence de nos propos qu'il n'est plus aucune question à se poser. D'autres personnes, non. La fin de la réunion était prévue à 17h, si je ne m'abuse. Ou 17h30. Mais écoutez, je ne sais pas si on a épuisé le sujet... oui. Ah ben allez-y, je vous donne mon micro parce que finalement il y avait des problèmes. Oui, Denis, à la petite, vous n'avez pas réfléchi aussi à la donnée de ressenti individuel de bien-être alimentaire et dans la manière aussi à cette donnée pourrait contribuer à des analyses, parce que finalement, si c'est tellement difficile de piloter la personnalisation de sa nutrition en utilisant des données génomiques ou d'autres nomes, il y a aussi le retour du ressenti et le fait que les gens tiennent plus compte de leurs sensations subtiles. Et éventuellement, d'ailleurs, l'alimentation peut accroître leurs sensations subtiles. Et je me demande s'il n'y a pas un créneau d'avenir aussi dans le fait de... Mais le problème, c'est que ces sensations subtiles sont difficiles à quantifier et analyser, mais bon, avec de la... Enfin, j'allais dire du traitement de texte, il y a des termes plus techniques, mais on peut analyser des textes avec il y a des termes numériques là-dessus, donc à partir aussi peut-être de choses qui sont sur les réseaux sociaux, donc il y a d'autres peut-être aspects de sources de données là. Oui, alors il y a un travail dont j'ai la connaissance sur la sensation effectivement de bien-être, alors c'est pas alimentaire, c'est plus large, c'est santé, et par exemple le microbiote. Et il y a des relations avec ce que j'ai montré tout à l'heure sur la richesse du microbiote. Donc ça, c'est des données qui montrent effectivement ces aspects plutôt de perception cognitive, de bien-être par rapport à la richesse et la diversité du microbiote. Mais en fait, dans ce cas-là, finalement, c'est un marqueur, c'est une sorte d'intégrateur, en fait, de l'information. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est intégré de façon, effectivement, systématiquement dans les études? Ma connaissance, non. Il y avait un projet européen qui portait exactement là-dessus, sur le bien-être, wellness,
en fait, dans les populations. On y a fait partie, mais on ne l'a pas eu. On peut postuler que telles relations sont plausibles, puisque de toute façon, il y a une communication entre le cerveau et l'intestin. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas de raison que ça ne passe pas par là. Maintenant, après, quelles sont les modifications du microbiote qui pourraient influencer qui et à quel endroit et dans quelles circonstances de l'environnement, par exemple, de la famille, d'un deuil, d'une dépression. Mais après tout, microbiote, dépression, pourquoi pas? Microbiote, autisme, pourquoi pas? Il y a des circuits qui existent. Maintenant, il faut affiner quand même un peu la nature des relations. Et une fois qu'on a affiné la nature des relations, ce qu'on appelle la physiopathologie, eh bien, tenter d'agir, si on peut. Parce que c'est dans ces systèmes complexes, vous savez, si on agit là, on provoque une perturbation là. Et on n'est pas sûr que d'avoir agi là, ça soit mieux que d'avoir entraîné une modification ailleurs qui est peut-être pire. Donc on est vraiment dans un océan d'incertitudes. Et moi, j'admire ceux qui vous balancent des certitudes comme si c'était une vérité établie. On rejoint le religieux. Oui, vas-y. Oui, peut-être juste une remarque pour éviter d'être dans un discours de classe moyenne éduquée. Bien sûr. Hein, c'est-à-dire que ces outils sont formidablement intéressants, mais leur diffusion, elle touche quand même un groupe pas tout à fait dominant dans la société. Je veux dire, même si la diffusion, de toute évidence, hein, s'opérera. Mais je pense qu'on a le même problème avec le discours nutritionnel santé publique, c'est de faire attention que on ne considère pas comme allant de soi l'usage de ces outils, l'intérêt pour la nutrition et la santé, l'intérêt pour le long terme. Ce sont des choses qui sont, dans la société, différentes selon les groupes sociaux. Bien sûr, bien sûr. Oui, pas d'autres ? Plus de commentaires additionnels de la part de nos orateurs ? Non, ils ont tout dit. Ils ont dit tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Moi aussi, je pense, d'ailleurs. Puisqu'on a fini un peu en avance, je pensais que ça susciterait un petit peu plus de débat, mais non. Eh bien, tant pis, c'est qu'on a fait un point qui doit apparaître à ceux qui nous écoutent relativement satisfaisant. Ben, dans ces conditions, une fois de plus, je vous remercie d'être venu. J'espère qu'on vous a intéressé. J'espère que vous n'avez pas quitté votre ordinateur au bout de 5 minutes en trouvant que cette réunion n'était pas bonne et que finalement, on a un peu contribué à éclairer une problématique extrêmement complexe qui n'est certainement loin d'être finie et qui va avoir forcément de très nombreux développements pour ceux qui s'en réjouissent comme pour ceux qui en ont un peu peur. Merci beaucoup.